Voilà, frères et sœurs, que Dieu soit béni en tout cas pour euh, vos prières. Et euh, la sortie de la BJC continue à susciter de l'intérêt, de, de débats, de discussions ici et là. Et euh, ça choque certains, ça encourage d'autres. Et bien, que Dieu soit béni. De toute façon, que ça plaise ou pas, euh, l'œuvre doit se faire. Et au nom de Yeshua, nous ne sommes pas là, bien sûr, pour... Répondre aux besoins des hommes nous semblant pour répondre à l'appel du Seigneur voilà donc euh, parce que les hommes ont divers euh, besoins et euh, nous avons été nous avons été appelés par le Seigneur pour répondre à ses besoins à lui voilà donc euh, que Dieu soit béni alors euh, et euh, nous sommes avec des frères et sœurs qui sont venus d'ici et là et euh, qui sont avec nous et on a voulu aussi que nos sœurs restent un peu pour euh, voilà partager avec nous bonsoir vous allez bien Gloire à Dieu, ça fait plaisir. Et vous qui êtes, euh, aussi avec nous, il euh, y en a qui sont une de Lille, il y en a une qui est de Lille. Voilà, bonsoir. Et, euh, et puis de la Guadeloupe également. Voilà, Gloire à Dieu. Donc, euh, Côte d'Ivoire, euh, le Gabon, et, et puis euh, le Canada, l'Allemagne également, sans oublier, bien sûr. Et, euh, et euh, mon frère, Olivier, qui est avec nous. Bonsoir. bonsoir. Ça fait plaisir. Voilà, merci en tout cas l'équipe technique. Et euh, que Dieu soit béni pour la présence de chacun. Nous allons partager et euh, et sur. Euh, et euh, vous voulez qu'on parle sur quoi <laughs> De quoi voulez-vous qu'on parle C'est une question que je nous pose, que je vous pose. Parce qu'on n'est pas là toujours en train de dire voilà, ouais Dieu m'a dit de faire ci. De... On peut aussi demander aux frères et sœurs de quoi ils veulent qu'on partage. Voilà, la sanctification. Ah ben, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, la sanctification. La sanctification. Gloire à Dieu. Dieu est saint. N'est-ce pas? Oui. Alléluia. Alors, nous sommes dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er. Voilà. Merci, Seigneur. Vous voulez qu'on parle de la sanctification ben, On va parler de la sanctification. Voilà, on est bien dans un pierre. Voilà. Parfait. Alors, je vais lire à partir du verset premier. « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin d'obéir à Jésus-Christ, et qui participe à l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voilà, donc, euh, élu selon la présence de Dieu, par la sanctification de l'Esprit. Pour quel but Dans le but d'obéir. Nous sommes sanctifiés par le Seigneur pour obéir. Voilà, donc, euh, ici. C'est le moyen que Dieu va utiliser pour nous amener à l'obéissance, et c'est la sanctification. Alors, bien sûr, le terme utilisé ici signifie, euh, bien sûr, littéralement, être mis euh, à part. Donc, Dieu nous met à part. Il y a plusieurs termes euh, grecs et hébreux utilisés pour parler de la sanctification, et un des termes hébreux euh, qui est récurrent dans le Tanakh, notamment, est « kodesh » ou encore « kadash ». Donc, il y a « kodesh » et « kadash » ces deux termes, qui, n'est-ce pas, a, qui parlent dans un premier temps de, de, de la mise à part, du fait que Dieu met à part aussi bien des hommes que des objets, n'est-ce pas Quant aux objets, par exemple, et, euh, en ce qui concerne les objets, il est question de, du culte, il était question du culte envers Yahweh, de l'adoration, n'est-ce pas Donc, euh, il y avait les ustensiles du temple qui avaient été mis à part, consacrés pour le service sacré. Donc, euh, alors nous allons parler bien sûr de la sanctification comme euh, vous l'avez souhaité. Et l'apôtre Pierre est un apôtre, un des apôtres qui a vécu la sanctification, qui a vécu cette mise à part euh, pour le service du Seigneur. Et euh, nous sommes premièrement dans euh, Matthieu chapitre 4, Matthieu 4, et au euh, verset euh, 23. <coughs> Pardon. Voilà, donc euh, et, euh, on peut même commencer à partir du verset 21. Et de là, étant allé plus en avant, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, dans une barque avec Zébédée leur père, qui réparait leur filet. Et il les appela. Et ayant aussitôt quitté leur barque et leur père, ils le suivirent. Voilà, donc... Euh, et au verset 18, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient leur filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Voilà. Donc, et, euh, ces hommes étaient occupés, bien sûr, à pêcher. Ils ont connu la pêche tout au long de leur vie. Ils sont nés dans la pêche. Et Yeshua passe par là. Il trouve euh, André et Simon son frère en train de travailler, et il leur dit, suivez-moi. Et la parole nous dit que ils vont tout laisser pour suivre le Seigneur. Donc là, nous avons ici le premier étape de la sanctification, c'est le fait d'être mis à part pour un service. Donc Yeshua va aller, il va prendre ces deux hommes, il va les extirper, il va les sortir de leur métier pour être à son service. N'est-ce pas Donc, et euh, ils sont mis à part pour le service du Seigneur. Donc, et euh, donc nous avons trois degrés ou trois types, je dirais plutôt, euh, de sanctification. Le premier type de sanctification, c'est le fait d'être mis à part pour l'œuvre du Seigneur. Alors, et, euh, il n'est pas question ici de la sanctification au niveau de l'âme, au niveau du cœur, au niveau des pensées. Il est plutôt question de, de du fait d'être extirpé physiquement, hein, d'être consacré. Voilà, donc le terme euh, que, que un autre terme utilisé par euh, les auteurs de la Bible. Donc la consécration, le fait d'être consacré, d'être mis à part, d'être sanctifié. Et euh, donc Dieu va prendre Pierre, va prendre André et il va les mettre à part. Ils sont devenus de ces fêtes intouchables. Voilà. Donc là, c'est le premier type de sanctification. Donc nous sommes mis à part avec nos défauts. Nous sommes mis à part par le Seigneur avec nos manquements. Quand le Seigneur a dit à Pierre de se mettre à part pour lui, Pierre était encore fougueux. Pierre avait encore son caractère acariâtre son caractère irascible, il aurait fallu qu'il soit, n'est-ce pas, euh, travaillé. Donc, toutes les personnes, n'est-ce pas, que le Seigneur a appelées, toutes les personnes que le Seigneur a élues, connaissent, n'est-ce pas, euh, ce, ce, ce processus. Donc, Dieu les met à part pour son œuvre. Et le Seigneur le disait également à Jérémie dans Jérémie 1. Il disait à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois, n'est-ce pas, conçu, je t'avais... Établi, Je t'avais consacré. Hein? Donc là, nous avons euh, ce mot-là, codé justement, mis à part, donc consacré à un prophète des nations. Pourtant, Jérémie ne prophétisait pas encore. Dieu l'avait mis à part. Donc, euh, et voilà. Et euh, donc là, nous avons, comme Pierre le dit ici, nous avons été sanctifiés par l'Esprit pour obéir à Yeshua. D'accord Donc, euh, on est mis à part par le Seigneur. Et j'insiste eh bien sur ce premier type de sanctification. Donc ça n'a rien à voir avec, nos, euh, avec une qualité euh, ou des qualités morales, n'est-ce pas Donc Dieu nous met à part avec nos failles, avec nos défauts. Et d'ailleurs, la parole le dit, hein? il est venu chercher les malades et non les bons. Et, euh, et euh, donc on est mis à part. Donc vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui, euh, qui est sorcier, qui est sataniste. Pourtant, cette personne peut recevoir des prophéties parlant de son appel sans qu'il y ait eu le dévoilement de ses œuvres secrètes. N'est-ce pas Donc oui, parce que tout simplement Dieu l'a mis à part. Et quand Dieu met à part une personne, cette personne, mes amis, devient intouchable. L'ennemi ne peut même pas la toucher. Alors, alors que la personne n'en est, est pas toujours consciente, n'en est pas forcément consciente, mais Dieu l'a mis à part. Voilà. Et cette mise à part, cette consécration, cette sanctification, mes amis, est inscrite hein, de, depuis l'éternité passée. Dieu nous a mis à part avant même que le monde ne soit créé. Voilà. Et euh, c'est pour cela que et là, il est question, bien sûr, euh, et, euh, de l'élection. Il est question de l'élection qui ne dépend pas des œuvres. N'est-ce pas Il est dit, justement, dans, dans, dans les Écritures par rapport à Ésaü et euh, Jacob. Par rapport à Jacob, il est dit que les enfants n'avaient pas encore dit un mot, hein, afin que l'élection du Seigneur ne dépende pas, euh, de, ne, ne soit pas, n'est-ce pas, ne pas des œuvres, que Dieu l'avait appelé, Dieu l'avait choisi. Donc mise à part. Et euh, c'est pour cela, frères et sœurs, vous n'avez pas, nous n'avons pas besoin de courir après l'appel. D'accord On va prendre un passage dans euh, euh, Romains chapitre 9 verset 16. Ainsi donc, cela ne vient pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voilà. Donc, et au verset, et euh, au verset 10, à partir du verset 8, pour la bonne compréhension, on va lire. Donc là, nous sommes dans le premier type de sanctification. Hein. Donc, on est mis, mis à part pour le Seigneur. C'est-à-dire que ce ne sont pas ceux qui sont enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés pour être la postérité. Car voici la parole de la promesse. Je viendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et, et non seulement cela, mais il en fut de même de Rebecca lorsqu'elle conçut seulement d'Isaac, notre père, car avant que les enfants ne soient nés, et qu'il n'ait fait ni bien ni mal afin que le dessein arrêté de selon l'élection de Dieu demeurât sans dépendre des œuvres mais par celui qui appelle. Il lui fut dit l'aîné sera assujetti au plus petit, ainsi qu'il est écrit j'ai aimé Jacob et j'ai eu Ésaü. Que dirons-nous donc Y a-t-il de l'injustice en Dieu à ah, Dieu ne plaise Car il dit à Moïse j'aurai compassion de celui de qui j'aurai compassion et je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde. Ainsi, donc, cela ne vient pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Cela ne vient pas. Dans l'autre version, il dit cela ne dépend pas. Donc, là, c'est vraiment bien ici, là, c'est, cela ne vient pas. Donc, l'origine de l'appel n'est pas humaine. L'origine de la mise à part n'est pas humaine. Elle est céleste. Donc, ça ne sert à rien de chercher à se faire consacrer par les hommes, comme on l'entend souvent avec l'ordination qui est complètement diabolique, satanique. Hein? Donc, euh, oui, j'ai été consacré au ministère, mais ça, c'est complètement charnel. Vous voyez Donc, à chaque fois vous avez vous entendez, oui, j'ai été consacré à l'appel au ministère, tout ça. Donc, il n'y a que Dieu qui le fait. Le Seigneur dit aux apôtres, je vous ai choisi, c'est moi qui vous ai choisi et, n'est-ce pas, élu, et, euh, et envoyé, et établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que vos fruits demeurent dans Jean 15. Donc on comprend vraiment que le premier type de sanctification fait n'est-ce pas référence à l'élection de Dieu. C'est important de le savoir. C'est Dieu nous a élus avant même que Adam ne soit créé, avant même que les anges ne soient formés, Dieu nous avait déjà élus. Donc ça veut dire quoi mes amis pour vous fortifier vous qui pleurez Cela veut dire que si vous êtes élus de Dieu, appelés de Dieu, mis à part par le Seigneur, aucun sorcier ne peut vous tuer. Voyez? Vous ne pouvez pas mourir, n'est-ce pas, avant le temps. C'est impossible. C'est impossible. Donc Dieu nous a sanctifiés. Il nous a mis à part. Donc ça n'a rien à voir avec ta de, avec la crainte de Dieu. Ce n'est pas la, la le, le fait d'être mis à part ici. Le premier type de sanctification n'a rien à voir avec la crainte de Dieu. N'a rien à voir avec la sanctification. c'est, c'est. Comment dire, c'est vraiment l'élection. C'est la sanctification, mais sous la forme de l'élection, d'être mis à part. -à Dieu dit, par exemple, avant de nous créer, il dit c'est comme si Dieu disait, je créerai un jour un homme qui s'appellerait Jacques. Et cet homme-là, Jacques, m'appartient. Ce n'est pas qu'il m'appartiendra, il m'appartient déjà. D'accord donc, autant arrêter, lorsque Jacques va naître, Jacques est ignorant, Jacques, notamment ses parents ne savent même pas que cet enfant est déjà mis à part par le Seigneur, est déjà, n'est-ce pas, destiné à un service bien spécifique, Jacques va naître, Jacques va grandir, il peut même devenir un délinquant, il peut même devenir un sorcier, il peut même devenir un grand sataniste. Et puis, autant arrêter par le Seigneur où Jacques devait naître, naître d'en haut, quand ce temps... Euh, serait venu, et eh ben mes amis, Jacques naîtra normalement en haut, d'en haut, pardon. Et avant sa, sa, sa conversion, Satan va vouloir, bien sûr, tuer Jacques. Il va vouloir détruire Jacques, mais bizarrement, les sorciers, alors que Jacques est dans le péché, les sorciers n'arriveraient jamais, jamais à, à, à le tuer. Parce que tout simplement, Jacques est, n'est-ce pas, sanctifié par Dieu, c'est mis à part par le Seigneur consacré par le Seigneur. C'est pour cela, il ne faut pas recevoir des enseignements qui vous font peur, qui vous, amènent, vous amènent à avoir peur des démons, peur de sorciers. Pas du tout. Celui qui comprend qui est Dieu, qui comprend les trois types de sanctification, notamment donc la, le premier type c'est l'élection, le fait d'être mis à part, Dieu nous a élus, nous a mis à part. Celui qui comprend ces choses-là ne va pas avoir peur des sorciers, de, de, de Satan, des démons, parce qu'ils n'ont pas pu nous avoir étant dans le péché, dans le monde. Ils ne pourront encore moins nous avoir étant maintenant dans le Seigneur. Voilà. Donc on a vu Romain ici c'est vraiment magnifique. Donc il y a deux enfants qui naissent issus d'une même semence, n'est-ce pas Et euh, développés dans le même donc conçus par bien sûr leur mère et Rebecca et euh, comme Rachel pardon, c'est Rebecca pardon Rebecca et euh, et ils vont naître le même jour. Des jumeaux, c'est quand même assez paradoxal. Pourtant, il y en a un qui a été consacré par le Seigneur et euh, mis à part. Et cet enfant-là, Jacob, était le, 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 le deuxième à naître. Il n'était pas l'aîné. Et chez les, chez les Hébreux, le droit des naisses compte. Vous voyez, mes amis? Donc, selon la loi mosaïque, c'est Esaü qui devait hériter de la bénédiction d'Abraham de ce fait devenir l'ancêtre du Machia. Mais Dieu, dans sa préscience, dans sa souveraineté, a décidé que c'est Jacob qui allait hériter de cette bénédiction. Parce qu'il était consacré. Donc, le premier type de sanctification, la consécration, l'élection, mes amis, te donne le, le, le droit d'énès sur... Ceux qui t'ont précédé. Et ça, c'est magnifique. Et Jacob, pour rentrer dans l'héritage d'Abraham, il aurait fallu justement que son frère lui vende son droit de Et Dieu se sert justement de lentilles pour que Isaïe vende son droit de Voilà, frère et soeur. Et c'est terrible de voir à quel point Dieu procède. Donc, vous ne devez pas courir après l'appel. Vous ne devez pas chercher, oh, non, mais c'est quoi mon appel Je voudrais savoir laquelle... Mais ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça. C'est c'est pas ça. On ne court pas. Il est dit ici, si cela ne dépend pas. Cela ne, ne vient pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Ne, vou, ne cherchez pas à vouloir l'appel. Ne cherchez pas à... à ne courez pas après l'appel. Ne, ne désirez pas, n'est-ce pas, à connaître votre appel. Désirez à connaître Dieu. D'accord et c'est lui qui vous a consacré depuis le ventre de vos votre... mains. Ça ne sert à rien de vouloir imiter également les autres. Parce qu'en voulant imiter les autres, vous allez finir par être aigri, être jaloux et commencer à vouloir tuer les autres pour rester en vie. Hmm? Ça ne sert à rien. Ça, c'est le premier type de sanctification. Parce que quand on entend parler sanctification, sanct... mais c'est quoi la sanctification d'abord D'accord C'est l'élection. C'est l'élection. Élection. Dieu nous a élus. Dieu nous a mis à part. Il nous a consacrés pour son œuvre. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, une fois que nous sommes consacrés, mis à part par le Seigneur, bien sûr, le Seigneur va venir et il va poursuivre cette œuvre de la sanctification. Il va nous appeler. Donc on est d'abord mis à part depuis l'éternité. D'accord Comme il a dit à Jérémie, n'est-ce pas donc, on peut quand même le lire, hein, Jérémie chapitre 1er. Hein, Jérémie, si tu peux nous lire, Jérémie, ça serait bien. Gloire à Dieu. Hein? Ouais, c'est ça. Jérémie chapitre 1er, c'est 450, je crois. Oui, parce que. On est redevenu comme des enfants. C'est <laughs> 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 beau. 450. On est Jérémie chapitre 1er. Voilà. Verset okay. 1 Jérémie 1, 4 et 5. Voilà, donc la Bible nous dit les paroles de Jérémie, fils de Ilkija, Il 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 euh, d'entre les prêtres qui étaient à Anatote, dans le pays de Benjamin. Auquel fut adressée la parole de Yahweh au jour de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la treizième année de son règne, laquelle euh, lui fut aussi adressée au jour de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, à savoir jusqu'au temps où Jérusalem fut transportée, ce qui arriva au cinquième mois. La parole de Yahweh me fut adressée en disant. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Je répondis, ah, Seigneur Yahweh, voici, je sais, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Et Yahweh me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ok, voilà. Donc là, on voit que, hein, effectivement, on reconnaît ce passage. Hein. Donc Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. D'accord. Et ensuite il dit, je t'avais consacré. C'est dit ce collège là, c'est vraiment euh, mis à part pour mon service. Et il était ignorant. Jérémie ne le savait pas. Et maintenant, au temps de euh, la formation, quand la formation, le temps de la formation réelle par rapport à l'appel était arrivé, Dieu va se révéler aux gens, comme il a fait à Jérémie, comme le Seigneur l'a fait ici pour Pierre et son frère André. Et, euh, et donc là, c'est le prolongement de la du, de la, du premier type de sanctification, l'appel la hein, qui va se matérialiser, d'accord euh, Et là, on entend soit la voix du Seigneur clairement, de manière audible, soit en songe, en vision. Dieu te dit, voilà, je t'appelle à mon service. Hein, donc, c'est la conversion, c'est l'appel au salut, d'accord Donc, l'appel au, au, au salut ou l'appel au discipulat est le prolongement de la, du premier type de consécration, d'accord donc là, le Seigneur vient, il te dit, bon voilà, comme il dit avec Pierre, on l'a lu dans Matthieu, 20, Matthieu 4, et, hein, Pierre est en train de pécher avec son frère, Pierre ne savait même pas qu'il était établi depuis l'éternité, consacré, mis à part, et euh, le Seigneur vient, il te dit, euh, il lui dit, ben, euh, suis-moi, suis-moi. Voilà le prolongement du premier type de la sanctification, suis-moi, et je ferai de toi. Ce n'est pas que tu es devenu, je ferai, n'est-ce pas, de toi, le pécheur d'homme. Donc il aurait fallu maintenant que Pierre soit nettoyé. D'accord Soit nettoyé, soit brisé, soit sanctifié, n'est-ce pas Donc, euh, et, euh, et là, c'est un autre type de sanctification, n'est-ce pas C'est le, le brisement, d'accord C'est euh, Dieu va te tailler maintenant, et, euh, et là, ça fait mal. Et maintenant... Et, euh, euh, et euh, c'est le prolongement toujours hein, de, de, de premier euh, du premier type de sanctification c'est c'est la croix aussi voilà donc là c'est la croix et là maintenant tu rentres dans un processus de euh, transformation d'accord de transformation c'est pas encore la, la, la formation la, la sanctification personnelle là c'est la formation de l'ouvrier d'accord donc c'est toujours le prolongement hein, donc euh, hein, du le premier type de sanctification, parce que le premier type de sanctification concerne Dieu. C'est Dieu qui est à l'œuvre. D'accord Il te met à part, à ton insu, depuis l'éternité passée. Ensuite, au temps marqué, il vient te visiter et il t'appelle clairement et, euh, et tu te mets, donc tu te convertis, tu es né de nouveau, né d'en de, haut, et tu te mets à suivre le Seigneur. Et tu rentres dans un processus de sanctification où Dieu, maintenant, bien sûr, il poursuit son œuvre, il poursuit sa forte formation. Et l'ouvrier, maintenant, est mis comme dans un cocon et, euh, qui va le transformer. Alors, l'image que l'on a ici, c'est euh, 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 la, la, ce métamorpho, hein, ce terme grec que Paul va utiliser. Et euh, que l'on retrouve hein, dans Matthieu 17. Et, euh, qui a été traduit par trans transfiguration. Donc, on passe d'une étape, hein, d'un état à un autre. Et on retrouve ce terme-là également dans Romains chapitre 12, Et au euh, Paul dit soyez transformés. Hein, donc, euh, par le renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est Paul a, a utilisé ce terme-là grec pour aussi parler de la transformation que subissent les chenilles. Voyez, pour devenir justement des papillons. Donc, c'est ça le disciple-là. Dieu nous prend comme des chenilles, tels que nous sommes, et il nous dit de le de suivre, et il nous met dans ce cocon, c'est-à-dire, il, il nous crucifie. Là, c'est la, la chair est complètement crucifiée, et là, elle commence à subir le, le, la transformation que Dieu veut. N'est-ce pas? Donc, il y a l'étape larvaire, euh, hein? donc là, c'est vraiment la, la larve, tout ça. là Donc, et là, là la lave subit une transformation et ça fait très mal, justement. Ça fait très très mal cette euh, sanctification et c'est toujours Dieu qui opère. Hein. Donc là, c'est il utilise des instruments comme la croix, c'est-à-dire les diverses persécutions, n'est-ce pas, pour tailler son ouvrier, son ouvrière, les calomnies et, euh, la, la, et voilà le rejet, les critiques. Il le, le, le il, il utilise euh, le, aussi la croix, donc le feu, hein, pour, euh, comme il est dit dans Nombre, tout objet d'or, hein, tous les métaux devaient passer par le feu pour être sanctifié. D'accord? Et, euh, et justement, Pierre continue dans 1 Pierre chapitre 1 comme on y était là tout à l'heure. Il dit, mes amis, et euh, au verset 6. En quoi vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant affligé pour un peu de temps par diverses épreuves, vu que cela est convenable, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, et qui toutefois est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, l'honneur et la gloire lorsque Jésus-Christ sera révélé. voyez Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire, tu reçois l'appel. Tu es, tu rentres dans un processus, dans un, c'est sur le prolongement de du premier type de sanctification, Dieu n'est-ce pas, tel un potier, procède au, à la transformation de son ouvrier. Je vous assure, frères et sœurs, on le connaît à peu près hein, cette, ce, 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 ce 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 travail que le Père fait en nous, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et euh, parce qu'il nous a, il nous prend tel un potier avec nos failles, avec nos manquements, avec nos défauts. N'est-ce pas? Et, euh, pour comprendre cette transformation, ce qui fait partie de la sanctification, bien sûr, que Dieu fait à nous, euh, on, on, il faut comprendre Genèse 2, 7. Yahweh, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire, c'est le matériau qui va utiliser la poussière, l'argile, précisément. Et, euh, nous savons tous que l'argile est foulée aux pied par les hommes, tout ça, et par les, à l'époque, par les esprits, par les démons, tout ça. Et Dieu prend cette argile-là, et il dit que et Dieu va former l'homme, n'est-ce pas? Alors, le verbe former ici, en hébreu, signifie littéralement former par la pression. Par la pression, euh, la pression de la chaleur, la pression des eaux, comme les pierres précieuses sont taillées par la nature, n'est-ce pas? Dans le secret. Hein, sous terre, à des milliers des milliers de des kilomètres, hein, donc des milliers de kilomètres, et c'est là que ces pierres précieuses sont taillées par la pression justement des eaux, c'est comme ça que le diamant se forme. Il y a une pression qui s'exerce sur, sur cette pierre, et une pression telle que, mes amis, euh, et, euh, il faut, si tu, es, tu subis cette pression, il, Dieu doit nous soutenir, parce que sinon on ne nous tiendrait pas. D'accord Donc, et nous sommes, rappelez-vous bien, que l'Église est composée de pierres vivantes. Et non des briques pour, euh, concernant par rapport à, euh, à Babylone et euh, donc là c'est les pierres précieuses que nous sommes et on dit bien de pierres précieuses et vous même comme des pierres précieuses approchez-vous n'est-ce pas donc édifiez-vous pour former une maison euh, spirituelle donc vous voyez frères et sœurs Dieu quand il se met à nous sanctifier là parce qu'il nous a mis à part depuis l'éternité on pleure on pleure on souffre on gémit on peut même frôler la dépression. Vous voyez Comme Moïse, Moïse disait au Seigneur La mort m'est préférable, tue-moi. Élie, pareil, disait Mais je ne vaux pas mieux que mes pères, tue-moi. Jonas, on connaît le prophète Jonas il disait au Seigneur La mort m'est préférable à la vie. Vous voyez C'est terrible. Et, et, et là, ben, Dieu te met dans le feu. Il te met sur la croix. Il se sert. Mes amis de l'épée de l'esprit également pour séparer l'âme de ton âme de ton esprit les émotions. Et là c'est la séparation. Et euh, ça coûte. Par rapport à cette sanctification que Dieu fait à nous. Donc et euh, il peut te façonner, te sanctifier pendant 30 ans dans les coulisses pour un service public de trois ans. Et après, il t'enlève. C'est ce qu'il a fait avec son fils Yeshua, homme. Il a commencé son service public à l'âge de 30 ans, comme Joseph. Et euh, ensuite, quand si vous regardez bien, pendant 30 ans, il a été formé par le Père. Dans les coulisses, telles les racines d'une plante qui doivent d'abord s'enraciner profondément dans le sol à l'insu de tout le monde, afin qu'une fois cet arbre, mes amis, poussé, germé, puisse résister à toutes sortes de pressions, d'intempéries, de vent, de pluie, mes amis, et aussi afin qu'elle soit cette plante, cet arbre. Suffisamment solide pour, mes amis, supporter les fruits qui, généralement, pendent. Vous voyez Les branches doivent être suffisamment fortes pour supporter le poids des fruits. Et aussi, bien sûr, les animaux qui viennent pour, mes amis, s'abriter et construire leur nid dessus. Et les hommes qui vont grimper dessus. Comme Zaché qui grimpe sur le sycomore. Donc, il faut que les racines soient profondément ancrées dans le sol. <laughs> Vous voyez frère, et rappelez-vous bien que nous sommes des arbres. Quand le Seigneur a guéri cet aveugle, l'aveugle a dit quoi? Je vois les hommes, mais je vois comme des arbres. C'est pas que le Seigneur n'avait pas guéri correctement ces messieurs. Le monsieur a eu la révélation. Vous voyez? Il a eu l'ouverture des yeux spirituels. Dieu l'a fait exprès. Il a vu comment les, Dieu voit les hommes. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste disait, tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Ben oui, mes amis, nous sommes des arbres. Nous portons des fruits, nous sommes des arbres, nous sommes des branches. Donc, voyez, frères et sœurs, et euh, voilà pourquoi le Seigneur Dieu, notre Père, a pris son fils Yeshua et l'a formé pendant 30 ans. 10 ans de formation dans les coulisses, à l'insu de tout le monde, pour un an de ministère devant les hommes. Voyez Et Yeshua est notre modèle. C'est pour cela, mes amis, il faut laisser Dieu nous sanctifier. Ça fait mal, il ne faut pas se précipiter. Non, oh, Je vais sortir, je vais faire des programmes à gauche à droite, je vais faire des séminaires partout, je vais aller amener le feu partout. Ah bon? Est-ce que Dieu t'a-t-il vrai, véritable? Dieu, Dieu Est-ce que Dieu t'a vraiment formé? Est-ce que Dieu t'a vraiment sanctifié? Amen. Dieu t'a-t-il suffisamment formé pour aller vouloir porter le poids alors que tu n'as pas Tu reçu une, 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 une formation à les coulisses Regardez mes amis, le Seigneur dit quoi dans, dans Luc chapitre 6 Deux hommes bâtissent une maison. Deux maisons, chaque, chacun une maison. Le premier creuse, creuse profondément et trouve le roc. La profondeur appelle la profondeur nos dipsomes. C'est en creusant, en creusant profondément, c'est là en dessous là-bas, là, en, en descendant là. C'est là qu'il a rencontré le roc. Le roc, on le trouve dans l'intimité, lorsque Dieu te forme, te sanctifie, dans les secrets. Les gens te voient debout, tu rigoles, mais dans le cœur, là, il se passe des choses, dans les secrets, quand tu pleures, la personne ne te voit. Le roc, on ne le raconte pas comme ça, là, mes amis, c'est en, en creusant. Et rappelez-vous bien qu'il y a quatre dimensions à Yeshua. Il y a la hauteur, c'est l'aigle, il y a la profondeur, mes amis, là, c'est l'homme qui descend dans les régions inférieures. Il y a la largeur, c'est le lion, et il y a la longueur, c'est Luc. N'est-ce pas Non, c'est Marc, le bœuf, qui va le long du champ pour semer, travailler, mes amis. Donc, la profondeur, là, mes amis, c'est l'homme. Dieu prend l'homme qu'il veut utiliser, il va l'amener dans les profondeurs. C'est ça. Il doit t'enterrer. L'homme doit être semé comme une plante, comme une graine. Si ce blé de grès qui tombe en terre ne meurt, <laughs> il ne portera pas de fruits. Voilà la sanctification, mes amis. Dieu te tue. Dans la formation qu'il te donne pour te sanctifier, il tue ta chair. Il tue tes ambitions personnelles. Il tue ta vision. Il tue tout ce que tu as reçu de tes pères. Mm -hmm. Sanctification. Quand on entend sanctification, on dit c'est quoi la sanctification C'est tout ça là. <laughs> il prend l'homme, il te transforme en graines. Bah oui, Matthieu 12 le dit 24. Si ce grand de blé qui tombe en terre ne meurt, il parle de lui. Nous sommes des graines. Et là, la profondeur, là, c'est l'homme. Il te prend l'homme qu'il veut utiliser comme de l'homme de Dieu, là, mes amis. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe qui. Vous est, il est enterré On passe par la croix et on passe par la tombe. Voilà. Là, là, es sanctifié. Vous voyez, la sanctification que Dieu fait procède à nous, que Dieu opère à nous, nous tue. Des ambitions là, il tue tout. Il peut tout. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut, il prend tout. Il dit à cet homme riche, cet homme riche va le Seigneur. Il dit, Seigneur, que ferai-je pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur le regarde. Il dit, c'est bien. Il commence d'abord par l'amener doucement. Il savait où il allait l'amener. Il commence d'abord par Moïse. Qu'est-ce que la loi dit? Le monsieur dit, non, mais la loi dit, tu ne tueras pas. Il dit, mais j'ai tout observé depuis mon enfant. Il dit, c'est bien. Il regarde le Seigneur bien comme il faut. Il dit, dit il dit, Il dit, il te manque une chose. Va. Prends tes affaires. Là. Prends ton, ta, 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 ta Lamborghini, là, tout ça. Tu prends ta Porsche, là, tout ça. Là. Il dit, tu vends tout ça. Ta ville avec piscine, vent. Il dit ensuite, donne -le tout ça aux pauvres que tu as tellement méprisé. Va donner ça au resto du cœur. Et ensuite, viens et suis-moi. Ensuite, il rajoute, en portant ta croix. La Bible nous dit que le monsieur était en colère. Vous voyez, mes amis, la sanctification que Dieu fait à nous, là, ça te fait lâcher tout. Il te brise, il te sépare d'avec tes amis. C'est la séparation. Oui, oui. Là, <laughs> Il te sépare. Nous sommes toujours dans le, le prolongement du premier, du premier type de sanctification. Il te sépare. Il te sépare de tes meilleurs amis. Il te sépare de tes ambitions. Vous pensez que les gens, les gens ne se moquaient pas de Pierre et Jacques et tout ça des messieurs âgés, âgés comme ça avec leurs femmes, avec leurs enfants. Les gens devaient leur dire vous suivez un monsieur qui n'a même pas qui est plus jeune que vous, qui n'a même pas fini sa formation en tant que charpentier. Qui n'a pas de diplôme, qui n'a même pas de maison, il dort sur les, les montagnes. Il est toujours dans la forêt. Vous le suivez. Il fallait qu'ils acceptent les moqueries Et Dieu travaillait le cœur de Pierre. Oui. Combien de temps il a mis pour les former Il a mis trois ans. Il dormait avec eux, il mangeait avec eux. Il a vu la nullité des apôtres. Dans le sens où il a vu la nullité, c'est-à-dire leurs défauts. Leurs péchés. Pas forcément la unité physique, comprenez mon langage pour ne pas dire ça y est, il s'égare, on se connaît. Je sais que vous êtes là connecté comme d'habitude, vous m'aimez tellement que vous ne voulez pas m'oublier. Mmh. Moi j'ai oublié les églises d'où je suis sorti. Voilà, on est obligé de s'oublier, on n'est pas obligé de se connaître tout le temps. Voilà. Bref, c'est incroyable. On se shoot à la, à la, au Shora, c'est quand même euh, bizarre. Hein, quand même. Voilà, je ne suis pas une drogue. Hein. Gloire à Dieu. On ferme la parenthèse. Bon, mes amis, la sanctification, ça coûte cher. Mm -hmm. Et on parle du, là, on parle du dépouillement. C'est-à-dire, Dieu te prend, tu avais ta peau. Il prend ta peau, il prend l'épée, il enlève la, juste la peau. Imagine-toi. Tu restes un homme sans peau. Tu vois ce que ça fait? Ah. Voilà la sanctification. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui en arrache la peau, qui n'a jamais qui ne pleure pas. <laughs> hmm? <laughs> C'est-à-dire, tu es nu, mais il te rend encore bien nu. Vous avez vu? Regardez, vous prenez, vous prenez un coq, vous enlevez toutes ses plumes. Voilà. C'est ça ce que Dieu fait quand il nous sanctifie. Il enlève toutes les plumes qu'on avait là, tout ça. Tout ce qui paraissait beau aux yeux des hommes, tout ça. Il enlève tout ça. Mmh. Et quand il va enlever tout ça, qu'est-ce que tu vas dire par la suite Tu vas te retrouver bien nu devant le Seigneur. Et voilà ce que tu vas dire, Philippiens chapitre 3. Mmh. J'aime bien, mes amis, cette version, ça me fait du bien quand même. Hein. Philippiens chapitre 3. Alors c'est... Euh 1148. <laughs> Alléluia. 1148, verset 3 au verset, mes amis, 10. Car c'est nous qui sommes les circoncis, qui rendons à Dieu notre culte en esprit et qui nous glorifions en Jésus-Christ. Et qu'ils n'avons pas de confiance en la chair. <laughs> Regardez, Paul dit qu'il n'a plus confiance en sa chair. Pour qu'il parle comme ça, c'est qu'il est passé par un chemin. Hein? Il est passé par un processus de transformation. D'accord Parce qu'avant, il, il, se, il se fiait trop à sa chair. Hein? Et moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un estime qu'il a de quoi se glorifier, se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreux nés d'Hébreu, né hébreu, pharisiens en ce qui fait concerne la loi, quant aux ailes persécutant l'Église et quant à la justice à l'égard de la loi étant sans reproche. Paul est en train de parler de ça de ses origines. N'est-ce pas que l'homme, les hommes que nous sommes, parfois nous sommes fiers d'où nous venons, hein, de nos origines, hein, de nos origines, pardon. Et Paul a été dépouillé jusqu'à être dépouillé de tout ça. Là. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je, je les ai regardées comme une perte à cause de l'amour de Christ. Et certes, je regarde toutes les autres choses comme m'étant nuisibles en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour l'amour du, duquel je me suis privé de toutes ces choses. Et je les estime comme du fumier afin de gagner Christ et que je sois trouvé en lui, ayant non ma justice. Qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, c'est-à-dire la justice qui est de Dieu par la foi. Vous voyez Donc, pour que Paul arrive à regarder toutes les autres choses comme du fumier, <laughs> il aurait fallu qu'il passe, mes amis, par le feu. Regardez, là, dans cette sanctification-là, donc ce processus toujours, hein, du premier, de, la, de la première sanctification, Dieu nous transforme en holocauste, d'où justement. L'offrande de l'Holocauste, l'Holocauste, Lévitique 3, Lévitique 7. L'Holocauste était la seule offrande qui était consumée, entièrement consumée par le feu. Aucun sacrificateur n'avait droit hein, sur cette offrande-là. Seul Dieu, n'est-ce pas, consommait, on peut dire, dans un sens, cette offrande. Et c'est l'offrande que mes amis, Noé a offert au Seigneur au point où Dieu a décidé de ne, pas, de ne plus détruire la terre. C'est-à-dire Dieu te sanctifie au point où ta vie devient un parfum. Tu ne vas pas dégager une odeur fétide, mais une odeur tellement agréable que Dieu automatiquement va être fier de toi, non parce que tu t'es sanctifié, mais parce qu'il il il, t'a transformé. Il va regarder l'œuvre qu'il vient d'accomplir, de faire, et il va être content de cette œuvre-là. Vous voyez Et je vous assure, <laughs> la formation par la pression, non? Dieu va te se servir des éléments naturels. Il va te servir des circonstances, il va te servir de tes proches, il va te servir des gens qui t'entourent, de ton employeur, ta femme, ton mari, tout ça, hein, euh, des frères et soeurs, des assemblées où tu vas, pour te tailler. Il va mettre quelqu'un qui a un caractère terrible à tes côtés, qui va te titiller en permanence. Pour te sortir de tes gants. Ah, 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 voilà. Et là, tu vas demander au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, éloigne ce, dé, ce démon de moi. Et le Seigneur dira, ma grâce te suffit. Oui. Vous voyez comment Dieu procède Il te maintient là, il te travaille, il te travaille, il te travaille, tu travaille, il te travaille. Il te... Alléluia, gloire à Dieu. Magnifique est le Seigneur. Dieu est magnifique. Donc, mis à part, depuis l'éternité, il te sanctifie, il te... Voilà, il te façonne. Et euh, tout ça, là, au nom de Yeshua. Et, euh, et comme je disais, frères et sœurs, ça fait vraiment mal. On, quand on reçoit l'appel, entre le moment où on le reçoit, vision, euh, appel, et le moment où on doit rentrer dans ces choses, il y a un, n'est-ce pas, euh, un temps qui doit s'écouler. On le sait. Et c'est ce temps-là que Dieu utilise pour nous façonner. Attention, il y a des niveaux à chaque niveau où Dieu t'amène, à chaque dimension où Dieu t'amène. Donc, il y a un, un travail de sanctification qui va faire en toi. Et ensuite, il te qualifie pour te confier de nouvelles charges, de nouvelles responsabilités, de gloire en gloire, et des paliers, comme l'échelle de Jacob. Bien sûr. C'est comme ça que Dieu procède. Donc, c'est pour cela que la sanctification, elle est permanente. C'est est, est un processus aussi, on le verra. D'accord Voilà. Donc, euh, je prends un exemple. Paul, Dieu l'appelle... Et euh, dans acte 13, il était d'abord, il a fonctionné comme un docteur et un, un prophète. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. On cite leurs noms. Ensuite, l'Esprit va parler Mettez-moi à part, Paul et Barnabas. Vous voyez Pourtant, Paul était déjà dans le service. Il était déjà reconnu prophète, apod, euh, docteur. Mais il fallait qu'il passe à un autre palier. Donc il y a une nouvelle mise à part. Hein, une nouvelle, mes amis, consécration. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je vous ai appelé. Donc Dieu, de nouveau, a appelé, appelé Paul pour une nouvelle mission, une mission apostolique. Il a été mis à part par le Saint-Esprit pour cette nouvelle vision et il aurait fallu également qu'il soit taillé. Je vous dis une chose. Vous savez que Paul, pour être reconnu dans la fonction apostolique, il a dû être formé par Dieu pendant 17 ans. Est-ce que ça, vous le savez, ça Mon frère Stéphane Non. 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 Vous voulez le savoir non. Ça vous intéresse Amen. Tu le savais, ça Non. Amen. Ouais, on est dans la parole, mes amis. On est amoureux de la parole. Amen. Donc. Euh, J'espère que c'est intéressant quand même ce que tu nous bien donnes. Sûr, bien hein. bien Alléluia. Gloire bien. à Dieu, que Dieu soit béni. Parce que moi-même, je suis enseigné. Hein. Alors comme nous sommes redevenus des enfants là, nous allons chercher doucement. <laughs> Alors nous sommes dans Galate. Juste après un, un Corinthien. Juste après un Corinthien, non, non, Jérémie. Je m'excuse dans la Bible de Jésus. Dans la Bible de Jésus, dans la BGC. Alors, Galate. Ouais, Galate, c'est juste après, logiquement, après euh, Acte. Non, après Jacques, je crois, si je me trompe. Merci Seigneur, ça fait du bien. Galate chapitre 2. Voilà. Voilà. Donc, nous allons lire à partir du verset. Et euh, 17, euh, 16, euh, 15. Mais quand il a plu à Dieu qui m'avait choisi dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je le prêche parmi les gentils, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang et je ne montai pas à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie puis je revins encore à Damas. Ensuite, trois ans après, trois ans après son appel, Paul dit, je montai à Jérusalem pour visiter Pierre et je demeurais chez lui quinze jours. Et je ne vis aucun des autres apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur. Or, dans les choses que je vous écris, voici devant Dieu, je ne vous dis, je vous dis, je, ne, je vous dis que je ne mens pas. J'allais ensuite dans les pays de Syrie et de Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ, mais elles avaient seulement entendu dire, Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il détruisait autrement. Autrefois, et elle glorifiait Dieu à cause de moi. Et là, regardez le verset, le chapitre 2, verset 1er. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Donc là, nous sommes dans acte, acte 15. Hein? Mm -hmm. Donc ça, vous le savez. Donc cette grande réunion avec Barnabas. Et je pris aussi titre avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y monté. J'exposais l'évangile que je prêche parmi les gentils à ceux de Jérusalem, en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Et même, on n'obligea pas Tite, qui est avec moi, de se faire circoncire, quoi qu'il fût, grec. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés dans l'église pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, afin de nous ramener dans la servitude. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'églises. On veut ramener les chrétiens dans la servitude. Nous ne leur cédâmes pas un instant, un instant, et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Et je ne suis et je ne suis différent en rien de ceux qui sont le plus est, les plus, les plus estimés, quels qu'ils aient été autrefois. Dieu n'ayant pas d'égard à l'apparence extérieure de l'homme, car ceux qui sont en estime ne m'ont rien communiqué de plus. Waouh, c'est pas de l'orgueil, hein Voilà, Il dit qu'ils m'ont rien communiqué de plus. Et il dit, au contraire, quand ils virent que la prédication de l'évangile pour les incirconcis m'avait été confiée comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a opéré avec efficacité par Pierre dans la charge d'apôtre pour les circoncis a aussi opéré avec efficacité par moi envers les gentils. Jacques, dis-je, et Jean qui sont estimés comme des colonnes, et a reconnu la grâce que j'avais reçue, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions nous vers les gentils et qu'ils aillent eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Vous vous rendez compte Donc c'est là, 17 ans après sa conversion, après sa, son brisement, sa formation par le Seigneur, mes amis, après sa sanctification, que Paul va recevoir la main d'association des colonnes de Jérusalem. Pourquoi Parce qu'il leur a exposé l'évangile qu'il a reçu et il leur a parlé de la manière dont Yeshua s'est révélé à lui. Et là, tous les apôtres étaient là. Nous sommes dans acte 15, parce qu'il y avait également par la base, il y avait Tite. Et Paul explique, Paul développe sa doctrine, il développe la doctrine de la, de la grâce. Paul explique tout ce qu'il a reçu du Seigneur et les miracles que Dieu avait opérés au travail de lui, parce que ça c'est un des signes, hein, les miracles c'est un des signes de l'apostolat. Et là, Pierre, Jacques et Jean, les colonnes, donnent la main de l'assurance. Ils disent à Paul, oui, nous reconnaissons effectivement que tu es établi pour les gentils, comme établi apôtre des gentils. Et... Effectivement, mes amis, euh, dans le... on a fait des erreurs hier en, en reconnaissant certaines personnes dans le passé, parce qu'on a prôné, les équipes apostoliques, alors qu'ils n'ont même pas 10 ans de conversion, ils n'ont même pas euh, 15 ans de conversion, 16 ans de conversion, et, euh, et, euh, ils n'ont même pas vu Jésus-Christ. Hein. Ils ont eu juste deux, deux ou trois songes, ils ont dû voir un ange vite fait, et ils sont devenus apôtres, alors qu'ils ont même <laughs> des églises de 20, 30, 30 personnes. Ils sont accrochés au titre. Bref. Et euh, on voit des apôtres des nations à gauche à droite qui voyagent à gauche à droite, qui prennent des avions partout, ils sont déjà apôtres. Et là on voit 17 ans de formation. Paul est un exemple d'apôtre pour les nations, est un exemple pour les apôtres issus des nations. Et il a attendu 17 ans. C'est pour ça mes amis, aujourd'hui, allez mettre ma main sur quelqu'un pour dans un service. Je ne peux plus le faire. En tout cas, c'est fini. Je vous assure. Sanctifié pendant 17 ans. Brisé, frappé tous les jours par un démon. Il dit au Seigneur, enlève-le de moi, Dieu dit, ma grâce te suffit. Vous vous rendez compte, frère? On a des choses à apprendre. La sanctification, frère. On se précipite, là, trois ans de conversion, cinq ans de conversion, c'est les grands bishops déjà. Ils connaissent tout. Parce qu'ils ont des versets dans la tête, ils pensent qu'ils connaissent tout. Ils sont de grands des grands hommes. Frère, que Dieu nous garde. Paul, 17 ans après, il part voir les colonnes. Il a reconnu qu'il faut aller voir les, 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 les colonnes. Et il dit ils m'ont donné des recommandations, oh, c'est ce que j'ai fait. Quelqu'un qui n'a même pas 10 ans de conversion, on lui donne quelques conseils il dit j'ai déjà tout compris. Moi, je parle directement avec le ciel. Mmh. Paul reçoit ça trois ans après. On nous dit que Dieu l'appelle. Il l'amène tout de suite en Arabie, dans un désert. C'est là qu'il a été formé comme Jean-Baptiste. Pas dans une école théologique. C'est là que Dieu l'a sanctifié, préparé, formé. C'est le processus de sanctification. Oui, mis à part pour le service. Mais il faut d'abord que Dieu te sanctifie. Il faut qu'il travaille ton caractère, qu'il brise ton péché qui, te, qui peut, n'est-ce pas, euh, euh, t'empêcher de répondre à l'appel. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si tu es dans un péché avéré, comme le mensonge, le sexe, et que tu imposes les mains aux gens, tu leur communiques le péché. Donc, il faut que Dieu te nettoie avant de te lâcher devant la, la foule. Voilà. Trois ans après son nettoyage, son premier nettoyage, là, Paul, Dieu lui demande d'aller à Jérusalem. Et là, il va demeurer 15 jours chez Pierre. Pierre a dû lui raconter ses, hein, les histoires avec le Seigneur, tout ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur. Oui. Ensuite, il repart. Il a attendu 14 ans. 14 ans de nettoyage encore. 17 ans en tout. Cette fois-ci, il repart là-bas, c'est Acte 15, et Paul, avec Barnabas, maintenant c'était les apôtres, et là, il expose l'Évangile, il expose le message, il expose la parole. Et là, les Pierre, Pierre dit, il le dit dans 2 Pierre, Pierre chapitre 3, il dit, Pierre, Paul a reçu une connaissance, il a reçu une sagesse, hein, une grande sagesse, au point où ces, ces lettres sont mal comprises est tordu par les, les, les personnes mal affermiées et ignorantes. Pierre a écouté Paul. Pierre a dit, mm, là, c'est un apôtre pour les nations. Il a été préparé. Paul a parlé de sa croix. Paul a parlé de ses mésaventures. Il a parlé de, de son brisement. Il a parlé comment il, il a été lapidé à cause de la foi. Il le dit. Il a estimé tout ce qu'il était avant comme de la boue. Quand on se glorifie de son passé, c'est qu'on n'a rien compris, c'est qu'on est encore dans le passé. Mmh. Sûr. Mmh. Il dit comme du fumier. Combien d'années de, co de conversion as-tu Aïe aïe des versets bibliques par toi à gauche, à droite, comme un perroquet. Bah oui, mais le perroquet, ça vient pas d'eux. Les perroquets, ils ne font que répéter. Ce sont des transmetteurs. Eh oui. mmh. C'est tout. Mmh. Mes amis, il y a des gens qui sont des porteurs de lettres comme Timothée, c'est tout. Hein? Si Paul n'était pas là, Timothée n'avait pas quel. avait quel appel Quel service C'était lui qui devait porter les lettres. Vous pensez que ça c'est fini Ça existe encore aujourd'hui. Quand tu es un porteur de lettres là, si Paul n'est pas là, là, tes lettres là, n'as plus de lettres. Hmm? C'est tout. Ce que les gens ne comprennent pas. Sanctification. On en arrive frère, on va parler, on va enseigner la parole. C'est important parce que l'enseignement, c'est la correction. C'est Ce qu'il faut comprendre. Enseigner, c'est la. Je vais vous dire une chose. La dernière lettre de la Torah, hein, c'est la lettre Lamed. La c'est la douzième lettre. C'est le fouet. Ça termine avec Israël. Voilà, la Torah finit avec Israël. Et la dernière lettre, là, mes amis, c'est la lettre Lamed. Les... C'est la lettre qui est au-dessus de toutes les lettres. L'enseignement doit être au-dessus de tout. Hum? « Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Quand il sera devenu vieux, quand il deviendra vieux, il ne s'en détournera pas. Dieu clôture la Torah par la correction. Donc, la sanctification, la formation que Dieu nous donne, c'est la correction. Dieu nous châtie pour, nous, pour grandir, pour nous faire grandir. Ah ben oui, ce n'est pas toujours facile. Hmm? Ceux qui te critiquent là, c'est normal, Dieu le permet. Donc, il faut même pas t'en occuper, effectivement. Moi, je m'en occupe, occupe même plus parce que c'est Dieu qu'ils utilisent. Ils sont égarés, mais Dieu les utilise quand même pour, pour, pour notre bien. Donc, c'est une grâce. Ils vont se perdre, mais nous, nous irons au ciel. Donc, voilà comment Dieu procède. Il nous sanctifie. Il nous travaille. Il nous amène plus loin. Dieu a utilisé un démon pour que Paul reste dans le message. Vous vous rendez compte, frère Un démon. Ceux qui sont dans le combat spirituel, ils vont commencer à chasser le démon euh, par le feu. Envoyer le feu pour que le démon s'en aille. Mais c'est Dieu qui l'a mis là pour ton bien. Hein? Pour que ta chair soit toujours brisée. Et Paul a compris, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà. D'accord, mes amis Alors laissons Dieu nous, fa nous façonner. Ne hein? nous, nous précipitons pas dans les choses. Euh, et... Parce que quand quelqu'un reçoit déjà un titre, là c'est fini. Hein? Il est ancien, il est ancien. Il n'a même pas bar la barbe blanche, il est ancien. Tout ça là, ce sont des erreurs qu'on a commises hier, mes amis, là, c'est fini aujourd'hui là, ancien. Hmm? Aujourd'hui, quand on doit mettre un ancien là, c'est vraiment un vieillard, un vrai ancien. Il doit avoir plus de 60 ans. Voilà. C'est important tout ça. Là. Un ancien qui a 40 ans, ça y est, il est ancien, il reste là comme un bishop, il ne veut plus bouger. Il a pris son trône et puis c'est fini. Il demande que tout le monde passe par lui. Voilà, il est devenu le pape. Voilà, ils sont deux ou trois, ils partagent le gâteau. Ils sont contents. Voilà. Il déforme l'évangile. Je, quand j'enseigne, de temps à autre, on dénonce. Voilà. C'est plus fort que moi, frères et sœurs, vous me comprenez mm -hmm. C'est comme ça que Dieu m'a fait. Vous devez m'aimer comme ça. Dieu est bon. Alléluia. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Moi, j'aime bien tout casser à chaque fois. La parole casse tout. On dit non, son enseignement, c'est la colère, la haine. Voilà. Si vous avez écouté Jésus bien comme il faut, vous serez. Vous allez vous vous, vous, vous verrez. Il a prêché dans cette synagogue dans Luc 4. Vous avez vu comment on l'a chassé? Ils étaient tous furieux. Et vous voulez que moi je prêche pour vous faire rire? Vous n'avez pas compris encore mes amis. Là. Vous allez être furieux encore bien comme il faut. Mais vous ne vous ne mourrez pas au nom de Jésus-Christ. Et Je viendrai chez vous. Je parlerai encore. Vous serez encore plus furieux et je parlerai encore. Voilà. Acte dans Acte 50. Ils ont prêché. La Bible nous dit que les, les pharisiens étaient comment? Furieux. Quand Étienne a parlé, on a dit quoi? Ils étaient furieux. Et vous voulez quoi Vous voulez rire quand je prêche, mes amis, là, vous n'avez pas compris ancien. Attendez, on arrive. On va parler, vous serez encore plus furieux. Mm -hmm. Et ceux qui sont pour, la, pour le ciel seront dans la joie. Ils vont se réjouir parce que l'évangile libère. Mm -hmm. Voilà. Que Dieu soit béni. Mm -hmm. On va prendre le micro, tu peux On a pas de soucis. Tout à l'heure, tu disais qu'il faut avoir 60 ans. Timothée était évangéliste. Il n'était il pas ancien. Est-ce que... C'est une question que je voulais aussi poser. Est-ce que si on a un ministère, est-ce qu'on n'est pas de facto ancien Et à l'âge que Timothée avait. Timothée n'était pas non plus évangéliste. Pas... Paul lui a dit de faire l'œuvre d'un évangéliste, mais il n'a pas dit qu'il était évangéliste. Ce n'est pas pareil. Et c'est pour cela qu'il n'a pas été appelé évangéliste. On lui a dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Quand on te demande de faire l'œuvre d'un maçon, ce n'est pas que tu es maçon. C'est-à-dire, tu peux faire comme un maçon, mais tu n'es pas de maçon. Voilà. Mais parce que beaucoup mmh. pensent aujourd'hui que. Je comprends, ouais. Que que Timothée. Tu peux était évangéliste. Non, pas du tout. Parce que. pas des enseignements qui nous sont donnés, mm -hmm. c'est dans ce sens. Et quand on voit que Timothée est évangéliste, euh, de facto, on dit qu'il il est, il est, il a un ministère, et il, il est ancien de facto. D'accord, oui, tout, tout côté... à fait, c'est bien. Vu, vu vrai. son âge, voilà, pourquoi je voulais un peu revenir sur ce point-là. D'accord. Là, maintenant, je, je viens encore de découvrir encore autre chose. Mm -hmm. Timothée n'était pas évangéliste. Non. On, a, on lui a demandé de faire l'œuvre d'un évangéliste. évangéliste. Tout comme toi, on peut te demander, par exemple de faire l'œuvre d'un surveillant. Hein? Mm -hmm. Par exemple, tu prends le train, on te dit, fais l'œuvre d'un contrôleur. Oui. Hein? Contrôle les gens pendant quelque temps, mais ce n'est pas que tu es contrôleur. Ce n'est pas ton métier. Hein? Parce qu'il y a besoin d'un évangéliste. Tu peux être utilisé. Je prends un exemple. Tu vas dans un endroit, il y a besoin d'une guérison. Les gens sont malades. Dieu se sert de toi pour guérir les gens. Alors que tu n'as pas le don de guérison, ce n'est pas ton service. Toi, ton service, c'est la miséricorde. Ton service, c'est la compassion. Ton service, c'est, euh, je ne sais pas, c'est l'enseignement. Mais parce qu'il y, y a besoin de, 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 de la guérison, Dieu te dit, prie pour eux, je vais les guérir. Mais cela ne le fait pas de toi quelqu'un qui a en, de manière permanente ce don. Amen. Fais l'œuvre de l'évangile, C'est-à-dire, je t'envoie quelque part. Il y a besoin d'un évangéliste. Alors fais cette œuvre-là. Tu vois parce que nous sommes tous des potentiels évangélistes. Amen. Nous sommes des potentiels prophètes. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui utilise les prophètes. Donc il peut se servir de nous comme même. L'âne de Balaam a fait l'œuvre d'un prophète. Est-ce que c'est une prophétesse mm. Non. On ne peut pas la nommer prophétesse parce qu'elle a prophétisé une seule fois. C'est un, un animal en plus. Donc voilà comment on a établi <laughs> les animaux, prophètes, apôtres. Il y a autant de problèmes. Nous avons des eaux dans nos églises. C'est à cause de tout ça. Que Dieu nous garde. Ah, ouais. C'est incroyable, hein mais c'est croyable quand même. <laughs> ouais, ouais. Hein on prend de la nes de prophète. Euh, elle, elle a vu l'ange de Yahweh. Elle a parlé. Et nulle part, c'est écrit que Balaam l'a dit, mais viens, je vais te consacrer. Prophétesse. Tu es prophétesse. <laughs> voilà, parce qu'après, il n'y a plus d'inspiration. Voilà. Que Dieu nous garde, frères et sœurs. Alors, euh, et euh, seul Philippe, on l'appelle l'évangéliste. Hein, donc l'Évangile de Philippe. Là, on voit les œuvres d'un évangéliste. On voit, il arrive dans la Samarie, il prêche l'Évangile, les, les conversions, tout, tout, tout. Timothée était amené, était comme une espèce de, de une, une aide pour Paul. Il allait et, euh, ici et là pour établir, pour amener l'ordre. Et Paul était celui qui l'envoyait. Si Paul ne l'envoyait pas, Timothée n'allait nulle part. Alors qu'un évangéliste, selon Ephésiens 4, il est envoyé par Dieu directement. Mmh. Timothée était sous les ordres de Paul. En plus, il était porteur de lettres. Paul dit Je t'ai laissé en crête afin que tu mettes de l'ordre. Mmh. Donc là, c'était comme l'apostolat. Il devait mettre de l'ordre comme les apôtres mettent de l'ordre. Vous voyez Donc, euh, et reconnaître euh, les anciens comme les apôtres pouvaient le faire. Donc, il était mandaté. voyez Il était sous le mandat de Paul. Voilà. Alors que Philippe. L'évangéliste, dans acte 8, acte 22, on nous dit que c'est Dieu qui le mandatait. Vous voyez Donc, ça veut, ça veut, ça veut dire que l'expression travailler sur l'apostolat d'un apôtre, est-ce que c'est cette expression-là On euh, peut travailler. Euh, c est, c est, bon, est... Euh, on est vu très plus tôt sur l'apostolat. On, on travaille à, 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 à côté hein, d'un serviteur, d'un. Quelqu'un qui exerce la fonction d'apôtre. Et bien sûr, c'est très biblique. Oui. Bien sûr. Amen. Bien sûr. Donc, Amen. Euh, et, euh, Timothée Tite n'était pas des ministères euh, directement directement par le Seigneur. C'était des, des aides de Paul. Donc, quand Dieu appelle les, les, des, des, des des serviteurs comme dans l'apostolat, eh il met à côté d'eux des, des, des Timothée, des ah, Paul, Amen. tout ça, Amen. qui sont des porteurs de lettres. Et euh, ils n'ont pas reçu le mandat directement. Et en plus, c'est sans plan. Ouais. Ils n'avaient pas les plans. Donc ils apprenaient de, de Paul et ils amenaient. C'est ça, c'est parce que et, euh, Jean était, on nous dit qu'il était une aide. Hein, était, il était là pour aider Barnabas et Paul. Même Barnabas, on l'appelle apôtre, mais quand euh, il s'est séparé d'avec Paul, Barnabas il a disparu de la scène. Hein. Hein, Barnabas était juste un compagnon, quoi. Il accompagnait Paul dans son service. Et c'est pour cela qu'on a nommé Paul Mercure, c'est-à-dire Mercure était le Dieu, le messager de Dieu. Et Barnabas a été nommé, euh, euh, comment dire, Zeus, n'est-ce pas Donc euh, Mercure était son, son messager. C'est parce que Paul était celui qui portait la parole, parce que c'est lui qui avait reçu le message. Quand ils arrivaient quelque part, c'est Paul qui, qui enseignait. Parfois, Barnabas pouvait exhorter ses écrits aussi, mais c'est plutôt Paul qui, qui avait la parole. Parce qu'il était messager, il avait un message. Aujourd'hui, tout le monde peut exhorter. On est chrétien, tout le monde peut encourager, mais tout le monde n'est pas messager, hein? Avec un message porteur pour apporter quelque chose, de, pour, euh, voilà. Il faut que il, on est messager euh, de manière, de, de potentiel messager parce qu'on parle de Christ, oui. Mais il y a des frères et sœurs, des gens qui ont, qui sont porteurs d'un message, d'un fardeau, hein? Donc euh, il y en a beaucoup, bien sûr. Donc euh, voilà. Et euh, ça, c'est encore un autre enseignement, donc, moi. Mais c'est vrai que de souligner cela, ça éclaire les frères et sœurs. Et euh, voilà, donc, on a vu le premier type de sanctification. Donc, Dieu nous met à part, d'accord, depuis l'éternité passée. Ensuite, il nous appelle physiquement et il nous, il nous façonne, il nous travaille et il nous taille, d'accord. Et euh, voilà. Et là, c'est le premier type. Le deuxième type de sanctification, c'est la, la justification, d'accord. La justification. Et euh, ça, c'est... C'est aussi un rapport avec, je dirais, c'est le prolongement toujours. Hein. Donc, le premier des sens, c'est la justification. Dieu nous a justifiés. Car ceux qu'il a appelés, hein, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a, n'est-ce pas, et, euh, justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. D'accord Donc, c'est la justification, en fait, en gros. D'accord Donc, euh, il, nous, il nous met à part, depuis l'éternité passée. Il nous consacre, il nous met à part. Ensuite, deuxièmement, il nous justifie. Et ça, c'est l'œuvre de la croix. La justification, c'est aussi. La justification ne dépend pas de nos œuvres, toujours pareil. Elle est totalement l'œuvre de Dieu. Et euh, la justification est un acte, je dirais plutôt un acte juridique. Dieu vient et il déclare le pécheur juste. D'accord Et la justification trouve, mes amis, euh, sa source dans l'œuvre de la croix. D'accord nous sommes dans un dans Romains chapitre 5. Voilà, donc euh, on va rapidement finir pour vous laisser poser des questions. Romains chapitre 3, chapitre 5, pardon. Voilà, gloire à Dieu. On y est, est. Quelqu'un peut lire Quelqu'un veut lire Encore Romains chapitre 5, à partir du verset... A... Juste le verset premier. verset premier. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel aussi nous avons été amenés par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Okay. Voilà, donc... Euh... Et euh, dans Romains 4, 3 aussi, donc on va revenir sur Romains 5. Et euh, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre Père, a obtenu selon la chair Certes, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non pas envers Dieu. Car que dit l'Écriture Qu'Abraham a cru en Dieu et que cela lui a été imputé à justice. Or, celui, à qui, celui qui fait le, les œuvres. Le salaire ne lui est pas imputé comme une grâce, mais comme une chose due. On est d'accord, hein Mais à celui qui ne fait pas les œuvres, mais qui croit en celui qui justifie le, le méchant, sa foi lui est imputée à justice. D'accord De même aussi, David exprime la bénédiction de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, en disant, bénissons ceux à qui les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Béni est l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Voilà. Donc, euh, voilà la justification. Dieu vient et il dit, je déclare Jérémie juste. Alors que Jérémie n'a rien fait pour. Juste parce que... De ce fait, tu peux être dans sa présence. Tu es admis dans sa présence. D'accord Et la justification, mes amis, comme je le dis, trouve sa source entièrement dans l'œuvre de la croix. Voilà, il nous a déclaré juste. Donc, on n'a on a aucun mérite. Voilà. Donc, euh, tout ça aussi, ça a un rapport avec l'œuvre du Seigneur. C'est entièrement l'œuvre du Seigneur. Donc, euh, la consécration depuis l'éternité, d'accord La formation que Dieu, nous fait, euh, que Dieu nous donne, la justification, tout ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Ça a un rapport avec, bien sûr, la sanctification. Mais la justification, c'est plus un acte juridique. Dieu déclare officiellement que cette personne-là est déclarée juste. Pourquoi Parce que le sang. De Yeshua a coulé. Voilà. Et en fait, ce sang, Dieu nous voit, le Père nous voit au travers du sang de Yeshua. Voilà pourquoi il nous voit juste. Si on enlève le sang, on est complètement fini. On ne peut pas t'approcher du Seigneur. Voilà. Donc, ensuite, il euh, y a une autre sanctification. Ça, c'est la sanctification. Maintenant que tu es mis à part, maintenant que tu es formé par le Seigneur, que tu es justifié, donc, la. Le deuxième type de sanctification, c'est, euh, on peut dire le troisième, c'est euh, une sanctification personnelle. Hein? Après le 22 nous dit que celui qui est saint euh, se sanctifie encore. Donc là, Dieu te justifie. Il te donne les moyens. La justification, c'est aussi le fait que Dieu t'équipe. C'est la grâce, en fait. C'est la grâce. Il te donne les moyens. Il est dit que la grâce de Dieu, salutaire à tous les hommes, Hein, a été manifestée et elle nous enseigne à vivre loin de l'impiété, loin du péché en gros, hein, et à renoncer au, au, au péché et à vivre dans le présent siècle selon la justice, tout ça là, la sagesse. Donc on voit bien que c'est la justification, c'est la grâce de Dieu qui nous donne les moyens nécessaires pour mener une vie sanctifiée. Donc on ne peut pas rentrer dans le troisième type de sanctification qui est personnelle, individuelle et quotidienne, voilà, quotidien. Donc, ce troisième type de sanctification, sans avoir expérimenté, sans avoir été au préalable au bénéfice de la grâce de Dieu. Donc, il faut au préalable avoir expérimenté, reçu la grâce divine pour avoir les moyens nécessaires de mener une vie sanctifiée. Pourquoi Parce que les exigences de la justice divine sont telles que personne ne peut y répondre. Dieu dit Craignez-moi, personne ne peut le craindre. Dieu dit « sanctifiez-vous ». Personne ne peut se sanctifier sans la justification, sans l'œuvre de la croix, sans la grâce du Seigneur, n'est-ce pas Je prends un exemple. La loi de Moïse était composée, avait trois, trois parties. Trois, euh, euh, trois n'est-ce pas Il y avait trois types de lois mosaïques. La loi cérémonielle, donc la loi morale d'abord, « tu ne tueras pas, tu ne voleras point » la loi cérémonielle et la loi sociale ou civile. La loi morale, tu ne tueras point, tu ne convoiteras point, tout ça. La loi morale est comme un diagnostic, comme une lumière qui vient là où il y a les ténèbres et qui éclaire les gens, qui leur révèle leur état. Alors la loi morale est comme un diagnostic qu'un médecin va faire sur un sur une personne qui ne se rend pas compte qu'elle est malade. Qui est en bonne santé, qui est apparemment en bonne santé. Et la loi morale est comme ce diagnostic qui va être fait sur cette personne. Et cette loi, ce diagnostic, révèle, parce que cette loi amène la connaissance, révèle l'état de la personne et apprend à la personne qu'elle est atteinte du VIH. Et le VIH, donc c'est juste une image, comprenez mes amis, c'est l'image, c'est comme le péché, le VIH, donc qui est là. Et la personne s'aperçoit que, la loi morale, le diagnostic, l'examen qu'on a fait sur elle, révèle son état. Ah, comme Paul le dit, je n'ai connu le péché que par la loi. D'accord C'est grâce à la loi que j'ai connu le péché, car la loi dit, tu ne le tu ne convoiteras pas. Romains chapitre 5, 20, Romains 7, 7, tout ça là. D'accord Donc, la loi morale est comme ce diagnostic. Et le VIH, donc cette maladie, ce virus, est comme ce péché qui est révélé. Parce que jusqu'à Moïse, jusqu Moïse la, le péché était dans le monde, nous dit la parole le romain. Mais le péché n'était pas imputé aux hommes. Parce que la loi n'était pas encore révélée. Alors, frères et sœurs, une fois que le péché est révélé, donc le, le VIH, la personne se sent condamnée. Mais je ne peux pas me guérir, me soigner. Mais je ne peux pas répondre aux exigences de la justice divine. Que faire Et la loi te condamne. Dieu, dans son amour, vient. Il propose la loi cérémonielle, les sacrifices d'animaux qui n'ôtaient pas le péché, mais qui ne faisaient que le couvrir. Donc du coup, le péché ne faisait s'accumuler, comme hein, devenant une forte, une grande et haute montagne, et toujours couvert ce péché par les, le sang d'animaux. Et chaque année, le péché des, 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 des hommes, des Hébreux, était renouvelé. La, le souvenir du péché était renouvelé. Par les sacrifices qu'ils offraient Par le sacrifice que le grand prêtre offrait Le 10 du mois de Yom, Yom de, le, mois de, le jour de Yom Kippour Le mois de Tzri ou de Tanim Alors Dieu donne la loi cérémonielle sacrifice d'animaux, Comme une trithérapie Qui n'enlève pas le péché Mais qui ne fait que le couvrir Le malade est conscient à chaque fois qu'il prend le médicament Il est conscient que elle est, elle est toujours, la personne est toujours malade est consciente de cela. Alors maintenant, le, la guérison est possible avec le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi il dit que le sang de Yeshua parle mieux que le sang d'Abel. D'accord Le sang de Yeshua vient et l'agneau de Dieu vient et il a ôté. Voilà la justification. C'est-à-dire, c'est un acte légal. C'est un acte, mes amis, juridique, pardon, et légal, qui déclare officiellement... Parce qu'un acte juridique légal, n'est-ce pas, déclare devant le tribunal. Parce qu'il y a trois termes hébreux utilisés pour parler de la sanctification euh, par rapport à la, la, la justification. D'accord L'œuvre de la croix. Le premier mot grec, c'est, mes amis, agora. Euh, D'accord euh, Agora. Agora, c'est le marché. L'agora, c'est le marché. Donc, nous étions vendus au marché. Vendus sur les marchés par les démons. Et Yeshua vient dans ce marché-là. D'accord Dans le but de nous racheter. D'accord Nous sommes dans la, le troisième. Donc ça, c'est le deuxième type de sanctification. C'est le, le prolongement, la justification. On est, on est d'accord hein? Voilà, la justification. Et euh, donc, Yeshua vient à Gora. Donc, ça, c'est un autre enseignement. Donc, parce il faut, on va creuser encore de peut-être demain sur la justification. Il y a beaucoup avec le tableau. Il y a tellement de choses profondes à dire, frères et sœurs. L'Agora, c'est le marché. Donc, on était véritablement vendus sur le marché. Comme des esclaves, esclaves du péché. Nos maîtres, c'était les démons. Satan. D'accord Les sorciers. Yeshua vient à mar ce marché-là. Avec quel argent avec son sang, non pour payer au démon, mais pour payer au, la rançon au Père, pour répondre à ses exigences. Le deuxième mot utilisé, le, le mot grec, on verra cela les versets demain. Donc, euh, nous sommes dans Romains chapitre 3, Romains 4. Et il y a tout ça. Et euh, le deuxième mot, c'est euh, hexagora. C'est-à-dire, on est extirpé du marché on est amené hors du marché. Donc il va au marché, à agora, il nous rachète et il nous sort du marché. On n'est plus, mes amis, vendable. On n'est plus exposé au marché, on est hors du marché. Voilà pourquoi nous devons on va en parler. Le troisième terme grec c'est loutro. Loutro signifie Délivré, affranchi. Voyez, frères et sœurs, et, et c'est terrible. Donc l'œuvre de la croix, la justification, mes amis, est un acte officiel. Yeshua est allé devant les démons. Il est venu en tant que propriétaire des marchandises que nous étions. Il n'y avait pas de négociation possible. Il vient, elle dit Donnez-moi ça. Donnez-moi celui-là. Donnez-moi celle-là. Donnez-moi celui-là. Donnez-moi cet homme, cette femme que vous avez mis sur vos étalages-là. Hop Hexagora. On sort du marché. Hop, l'outro. Délivré, affranchi. Yeah. Alléluia. Amen. Oh my God. Jesus Christ. <laughs> C'est pour cela que Colossiens 1 nous dit 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. Dieu t'a rendu capable. Ne dis plus que tu es, tu es incapable. Ne dis plus que tu n'as rien. Amen. Tu es capable. Dis à toi tu es capable. Amen. Oh, alléluia. Nos capacités ne viennent pas de nous. Amen. Nous sommes capables. Amen. Oh, Jésus. Ne soyez plus limités. Nous sommes capables de gagner les quartiers entiers pour Yeshua. Nous sommes capables d'amener le feu du réveil, Près de ce, partout au nom de Yeshua. Nous sommes capables d'aligner devant nous les prophètes de Baal, de couper leur tête avec la parole de Dieu, mes amis, au nom de Yeshua. Oh, Alléluia. Jesus Christ. Oh, Alléluia. Jesus Christ. Yeshua a dit aller dans les nations. Pourquoi les nations Oh my God. C'est là que les démons travaillent. Il dit aller dans les marchés. Nous sommes, des, nous sommes comme des acheteurs. Nous sommes comme des racheteurs. Nous allons, mes amis, prendre les âmes vendues sur les marchés des démons ou les gens condamnés. Il dit aux apôtres, allez dans telle ville, vous allez trouver une annexe attachée sur laquelle personne n'est monté. Détachez-la et amenez-la. Si on vous demande qui vous, la, vous, la, vous envoie, dites simplement le maître. C'est le maître qui vient. Le maître en a besoin. Mes amis, l'animal était sur le marché. L'animal était sur contrôlé. Yeshua vient, il Ouh, il, il enlève Exagora. Ça c'est, il y a quelque chose là mes amis, là, a, la parole, la parole, la parole. Je ne suis plus sur votre marché, je suis sorti de là. C'est pour ça qu'on dit, il nous a racheté. On ne peut racheter que quelque chose qui t'appartenait avant. Hum? Ouh, frères et sœurs, voilà la justification la sanctification, c'est le niveau plus plus la justification. C'est tel que vous êtes là, vous êtes justifié. C'est-à-dire, il y a un tampon sur vous, justifié. Amen. Déclaré juste. Et, et, et Dieu dit, Yeshua dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne serez pas sauvés. Mm -hmm. Mais c'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi la justification, c'est un acte légal, prophétique. Et Dieu, il met le tampon sur toi et il dit, tu es juste. Si tu as dépassé les pharisiens. Or, le mot pharisiens signifie séparé, mis à part. Or, si tu es séparé, si tu es mis à part, qui, qui peut te toucher c'est pour cela que Colossien dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part. Il y a une part que vous avez reçue, non Mais alors, à l'héritage, nous sommes les héritiers. Il y a le testament de Jésus. Avoir part à l'héritage de saint. Mais nous sommes sanctifiés, saints, saints, au sein de Rome, au sein de... Nous sommes mis à part, frère et soeur, alléluia, gloire à Dieu. Vous avez part à l'héritage de saint. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres pas qu'il va nous délivrer il nous a délivré et il, il ne s'est pas arrêté là il nous a transporté c'est notre transporteur il nous a transporté du marché agora mes amis exagora hors marché il nous a pas laissé hors marché il nous a amené dans le royaume céleste donc notre position c'est au ciel nous sommes d'abord de céleste avant on était d'abord de terrestre mais nous sommes d'abord de céleste mes amis nous commandons depuis le ciel quand nous dormons, mais nous dormons dans le ciel, nous marchons dans le ciel, nous margeons dans le ciel, frères et sœurs, nous prions dans le ciel, nous sommes assis. La vie chrétienne commence par la position assise, c'est une vie terrible, bizarre. Hmm? Ça veut dire quoi? Oh, Jesus. Ça veut dire que celui qui est assis est plus fort que les autres parce qu'il commande depuis l'éternité, étant assis et il n'a pas mal, notre papa. Une vie qui commence par la position assise est très dangereuse. Est -dire, tu as tout accompli. cest nous commençons par l'accomplissement. Tout est accompli. On commence par là. Ça veut dire que ce que nous faisons, ce n'est pas nous qui le faisons. Nous ne faisons que nager dans l'accomplissement. Donc quand le réveil s'éclate ici et là, ce n'est pas nous. Nous ne faisons que vivre ces choses-là, mes amis. C'est ça, on est justifiés. Seigneur, aucun démon ne peut plus te tuer, c'est fini. Quand il se pointe, tu dors tranquillement, tu es justifié. C'est fini, c'est trop tard. Quoi qu'il arrive, nous irons au ciel. Hein? Nous sommes déjà au ciel, ils nous ont ratés. C'est hier qu'ils auraient dû nous tuer avant, avant notre conversion. Même avant notre conversion, ils ne pouvaient pas parce que nous étions déjà, depuis l'éternité passée, on était déjà choisis, frères et sœurs. Au, au commencement était la parole. C'est La parole est au commencement de toute chose. Ouh, Jesus. Donc, du coup, quand tu, tu es justifié, tu as, les, tu as le, le, la force pour craindre Dieu. Donc, du coup, eh ben, la justification, c'est quoi Pour que vous compreniez. Dieu te prend, hein, mon frère Yann, il comme Adam. Il crée Adam. Mais avant de former Adam, il avait d'abord planté ce jardin. Vous mm. voyez voilà comment Dieu fonctionne Il prépare d'abord les conditions pour t'accueillir. Comme un berceau. Hein il prépare le manguier, il prépare l'avocatier, tout ça, le tout ça. Et tout est déjà mûr. Il forme maintenant la Yann. Donc vous pendant qu'il te forme là, la nourriture, tu attends déjà. Les fruits. Ce n'est pas toi qui le portes. Ils sont déjà mûrs. Il te forment, il te forme, il te prend, hop, il te met là-dedans. Il te dit, voilà, la mangue est là. Tu peux manger la mangue, tu lèves la main, tu as la mangue. L'avocat, tu prends, tu manges. Donc du coup, on ne fait aucun effort pour porter les fruits. Voilà la justification. Donc on fait les choses, c'est naturel. Craindre Dieu, c'est naturel parce que voilà, la chair, si elle veut revenir, on dit non, j'ai la force pour te dire non. Donc du coup, une belle femme peut venir non, non je ne veux pas. Je refuse. L'argent peut venir à flot comme ça, non, je ne veux pas voler. Parce qu'on en a les moyens. C'est pour cela que j'en dis, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ne pratique pas, ne vit pas dans le péché. Parce que, il est là, parce que la semence de Dieu, la semence de Dieu est en lui, la justification. D'accord Alléluia. Gloire à Dieu. Donc naturellement, comme tu es justifié, tu vas maintenant, hein, on te met dans l'eau. Donc naturellement, tu vas, tu vas nager de profondeur en profondeur. Tu vas craindre Dieu. Comment craindre Dieu Comment te sanctifier par rapport à... Euh, personnellement, c'est en priant, en méditant la parole chaque jour, c'est comme ça qu'on est sanctifié. Hein? La parole nous purifie. Déjà, vous êtes pur par la parole que je vous ai annoncée, le Seigneur disait dans Jean 15, 3. Père, sanctifie par ta vérité, ta parole, la vérité, Jean 17-17. Vous voyez, la sanctification, en mettant la parole, en priant, on est sanctifié, vous voyez, tous les jours. Que celui qui est saint soit sanctifié. On, on fait attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on on, on voit, à ce qu'on dit, on est sanctifié. On fait attention à notre habillement, tout ça. On est sanctifié, mes amis, et c'est magnifique. Et le, la dernière sanctification, c'est ce qu'on appelle la rédemption totale, 1 Corinthiens 15. Nous aurons des corps glorieux. Il n'y aura plus d'imperfection. Oh, on n'aura plus de gros nez, c'est fini tout ça là. On n'aura plus des oreilles petites comme mes oreilles, mes amis, hein, qui sont trop petites, mais qui entendent de loin. Hein. Alléluia, gloire à Dieu. Donc Dieu nous a bien fait quand même, mes amis, là, mais quoi que le péché nous a déformés, hein, le péché d'Adam et Ève. Et euh, donc il y aura plus d'arabes, plus de juifs, plus de, il y aura ni juifs ni grecs ni hommes ni femmes et euh, fini mes amis, il y aura plus de femmes qui vont porter, qui vont être enceintes parce que parfois c'est pas facile. Il hein. y aura plus de fini le racisme, fini mes amis, euh, tout ça là c'est fini, le chômage, fini les guerres, fini la famine, fini le, euh, les tsunamis, tout ça là fini. Fini, oh non, moi je suis trop petit, oh non, Seigneur, je vais porter des talons, tout ça bien, machin, tout ça. pour, Parfois on va se dandiner, comme va avoir du mal à marcher parce qu'on se sent tellement, euh, mes amis, euh, incomplets. Et euh, tout ça, c'est fini. On aura des corps glorifiés, 1 Corinthiens 15, des corps, on aura des... les corps qu'on aura à la résurrection, c'est la dernière sanctuation, c'est magnifique aussi, sont, seront des corps encore mieux que celui qu'Adam avait. Est-ce que vous le savez ça? Non, je vais vous dire. Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 15. Restons à la parole parce que le temps nous presse. On ne veut pas mmh. finir trop long. Je sais que vous avez soif. <laughs> on aura encore des corps mieux, mais là, ce n'est même pas comparable. 1 Corinthiens 15, mes amis. Verset 50, 51. À partir du verset 51. On va même aller plus loin, plus loin encore. Verset 45. Comme. Aussi, il est écrit, le premier homme Adam a été fait en âme vivante. Le dernier Adam en esprit vivifiant. Or, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui, est, ce qui est animal. Et puis vient ce qui est spirituel. Nous étions d'abord des animaux. Là. Le premier homme étant de la terre et tiré de la poussière, mais le second homme, à savoir le Seigneur, est du ciel. Tel que celui qui est, qui est tiré de la poussière, tels aussi sont... Ceux qui sont tirés de la poussière. Et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous avons porté, comme nous avons porté l'image de celui qui est tiré de la poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. Voici donc ce que je dis, mes frères. C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormions, nous ne dormirons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés. Les morts ressusciteront comment Incorruptibles, imputrescibles. Or, Adam était parfait quand il a créé, été créé, nous sommes d'accord, parce que tout ce que Dieu a créé est parfait, mais il n'était pas incorruptible. Parce que sinon, il ne serait pas tombé dans le péché. Et c'est ça. L'avantage de l'œuvre de la croix. Quelle grâce. Cela veut dire que après, après l'enlèvement de l'Église, après la résurrection, Satan ne pourra plus nous tromper, nous faire tomber le péché, c'est fini. Donc nos corps, les corps qu'on aura, hein, donc, euh, seront des corps euh, plus glorieux que ce, celui que Adam avait. Et Paul continue en disant Car il faut que ce corps revête l'incorruptibilité et que ce corps revête l'immortalité. Lorsque ce corps, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors cette parole de l'écriture sera accomplie. La mort a été détruite dans la victoire. Ô oh, Hadès. Voilà, dans l'autre la version, version, on dit ô oh, oh, mort. C'est faux, c'est Hadès. Hein? Ou encore enfer. Où est ta victoire Ô oh, mort, où est ton aiguillon Voilà, donc on peut s'arrêter là. Oh, voilà, c'est bon. Donc, vous voyez, donc, ça, c'est la dernière sanctification. Donc, des corps beaucoup plus glorieux encore, mais c'est terrible. Terrible. Et voilà pourquoi, mes amis, nous devons vraiment glorifier le Seigneur. Alors, je n'ai pas parlé ce soir, bien sûr, bien comme il faut des agents de la sanctification, des, les, actes, les agents qui nous permettent rapidement la parole, la prière, tout ça, l'Esprit de Dieu également, le sang de Jésus-Christ également, par rapport à la justification. N'est-ce pas? Et. Euh, donc, il nous faut des semaines et des semaines pour creuser. Et demain, si Dieu permet, on aura un tableau et pour creuser encore sur la justification. Et vous allez comprendre votre position, votre identité en Christ. Vous n'allez plus vous faire manipuler par des charlatans, par des faux pasteurs qui veulent vous contrôler. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Une, une question. yeah. Alors, ma question, c'était par rapport euh, au premier, à la première phase de la sanctification. Euh, donc la consécration avait été mise à part dès le ventre de notre mère ou dans l'éternité passée. Alors aujourd'hui, il y a tellement de doctrines, il y a tellement d'enseignements, et c'était pour un peu, pour que tu puisses nous éclairer un peu là-dessus. En fait, il y a un enseignement qui dit qu'on euh, a été prédestinés sur la base justement de cette consécration dès le ventre de notre mère, et comme on a été prédestinés, Dieu connaît d'avance ceux qui sont sauvés. Et ceux qui vont là n'en donc on n'a plus rien à faire. Ben comme des choses sont déjà faites, en fait peu importe la vie que tu mènes, comme tu es déjà consacré, prédestiné, forcément que tu peu importe la vie que tu mènes en fait tu, tu, tu en fait tu es déjà sauvé, c'est prédéfini déjà et ça ne dépend pas de l'homme. Donc comme on nous dit que ce n'est ni par les œuvres et tout, ben alors donc c'est dit qu'on n'a rien à faire, peu importe ce que chacun fait. Si tu vis dans le péché, si tu vis comme tu veux. Euh, ben, tu es déjà sauvé parce que ton nom est déjà écrit, il y a déjà la prédestination en fait. Donc Dieu connaît ceux qui vont être sauvés déjà et du coup chacun peut faire ce qu'il veut. Donc c'est cette doctrine là aussi qui fait que beaucoup de gens, euh, euh, même chez moi en Côte d'Ivoire, hein, beaucoup de gens maintenant euh, vivent comme ils veulent. Dès qu'on on essaie de leur dire que quelque part aussi la Bible dit euh, que celui qui se sanctifie se sanctifie encore, ils disent mais non, euh, Dieu connaît déjà, donc euh, vu qu'on est déjà prédestiné. Eh bien, on peut vivre comme on veut. Donc, je voulais que tu puisses peut-être nous donner plus d'éclaircissements là-dessus. Voilà. Très bien, c'est une, une très bonne question, Yann. Et cette doctrine-là euh, a pris euh, ses racines dans l'enseignement de, de, euh, au 5e siècle, en fait, hein, donc, et, euh, avec euh, Augustin, Augustin d'Hippone, qui est considéré comme euh, le plus grand penseur, le plus grand. Euh, euh, père de l'Église chez les catholiques. Et euh, Augustin d'Hippone était un philosophe. Et, euh, et, euh, et il a développé beaucoup de théories, notamment euh, la double prédestination. Et par la suite, Calvin, français euh, d'origine, euh, va être euh, celui qui va, n'est-ce pas, euh, développer euh, et, euh, et, euh, et imposer euh, cette doctrine dans les Églises euh, calviniste, donc euh, le protestantisme français. Et euh, Calvin, effectivement, disait que et, euh, on est sauvé une fois et sauvé toujours. Et euh, donc, euh, et Dieu a prédestiné certaines personnes à la damnation et d'autres à l'acquisition du salut. Et c'est une erreur terrible, fondamentale et euh, grave. Pourquoi? Parce que et, euh, les Écritures nous disent le contraire. Calvin disait que Dieu avait destiné, comme je le dis tout à l'heure, à destiner certaines personnes à la damnation, donc à la, à la condamnation, à l'enfer. Mais ce n'est pas ce que Jésus-Christ dit. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Matthieu 25, 41. Et euh, donc justement, euh, on va le lire. Hein. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche. Maudit, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, on apprend ici que le feu éternel, le lac de feu, la seconde mort, dont il est question ici, n'a pas été préparé pour les hommes, créés à l'image de Dieu. Ce feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges. Voilà. Donc, nous avons déjà une, une bonne réponse, une, une, une vraie réponse ici. Et donc, nous comprenons déjà, rien qu'avec ce verset, on comprend que Dieu n'a pas destiné les hommes à l'enfer. Ça n'a jamais été sa, son plan, parce qu'avec l'enseignement de la double prédestination, cette doctrine, on présente un Dieu méchant. Voilà. Et un autre passage, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4. D'abord en Timothée, chapitre 2. Le verset. Le verset 4. Jérémie, tu peux me le lire un plaît. Mm -hmm. Qui dit, voilà, car cela est bon et agréable, à Dieu, au verset 3, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Ok. Dieu veut que tous les hommes. J'aime les écritures, donc tous, c'est tous, hein, donc tout le monde. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc nous avons un deuxième témoignage ici. Le premier témoignage que nous avons, c'est Matthieu 25, 41, donc le témoignage de Yeshua. Et le deuxième témoignage, c'est celui de Paul, qui avait l'esprit de Dieu. Et Paul dit Dieu veut que tous les hommes, n'est-ce pas, soient sauvés. Et deuxièmement, viennent à la connaissance de la vérité. Et dans d'autres versions, on dit parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça, c'est très mal traduit. Le mot grec ne veut pas, s'il ne veut pas parvenir, c'est venir. Or, ça, je veux juste une parenthèse hein, pour euh, éclairer les frères, pour aider les frères. Un jour, quand en train, on était en train de, de traduire, de réviser cette Bible, à l'arrivée à ce passage, le Seigneur m'a poussé à creuser dans le grec. Et euh, il m'a enseigné quelque chose de très, très fort. Dans la beaucoup de versions, on dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Dieu m'a dit, frère Fils, quelqu'un qui doit parvenir à un endroit, c'est qu'il est déjà dans le chemin. C'est qu'il est déjà en train de chercher quelque chose. Ah, je ne parviens pas à atteindre Jérémie. C'est que je suis dans la démarche. D'accord ah, je ne suis pas parvenu au bout de mes peines, au bout de la piste. C'est que j'étais sur la piste. D'accord Et cette traduction fait croire, c est, c est, il faut que Dieu nous ouvre les yeux pour comprendre. Nous fait croire qu'en fait, tous les hommes sont à, à la recherche de Dieu sont sur la bonne voie. Ça ouvre la voie, n'est-ce pas, à, 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 au syncrétisme, c'est-à-dire. Euh, ce se mélange avec toutes les, toutes les religions. Et également cet, cet enseignement qui veut que tout le monde ira au paradis. Alors que le mot grec signifie venir. D'accord Donc là, venir, quand Jérémie s'était appelé viens, ce que Jérémie ne venait pas. Viens Jérémie. C'est qu'il ne venait pas vers moi. Vous voyez là, un petit, un petit mot comme ça peut, mes amis, déformer toute une doctrine parce que tout le monde ne cherche pas à parvenir à la vérité. D'accord Donc que tout le monde vienne et Dieu veut que tout le monde soit sauvé et vienne à la vérité. Et dans 1 Timothée 4:10 Car c'est aussi à cause de cela que nous endurons des travaux et des opprobres parce que nous espérons dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, mais principalement des fidèles. Dieu est le sauveur de tous les hommes. Dieu et celui qui veut sauver tous les hommes. Donc là encore, Paul parle de tous les hommes, voyez. Et euh, maintenant, regardez dans Romains chapitre 11. D'abord Romains 9, parce que cette doctrine est basée sur Romains 9, justement. Voilà. Donc euh, et là, on va nous donner Dieu va nous donner des clés, des clés qu'il m'a donné, que je vais partager avec vous, vous qui aimez la vérité, mes amis. Il faut dire, il faut aussi ajouter, je voulais ajouter, parce que tu t'es en train de parler, mm -hmm. je voulais ajouter aussi le, le Romain 8. Mm -hmm. Et pour dire que vraiment ça m'a fait du bien parce que j'ai vu ce verset dans d'autres versions. Mm -hmm. Et le Romain 8 dit dans le premier verset il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Il s'arrêtait là. Mm -hmm. Dans d'autres versions. C'est ça. Et c'est ce qui fait que lorsque tu, tu discutes avec quelqu'un, ceux qui enseignent qu'on ne perd pas le salut, il se basait beaucoup plus sur ce, ce verset parce que le verset a été coupé. Tout à fait. Et alors qu'ici, la Bible dit ici dans la BJC il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Et ça, c'est bien traduit. Amen. Parce que c'est un verset qui était coupé. mais Je crois que même dans le second on, il y a, certains, il y a mmh, des versions mmh, où mmh. c'est vraiment coupé. Mmh. Donc quand on partage, quelqu'un reçoit ce verset il dit voilà comment c'est écrit même dans ce qu'on appelle les, 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 les Nouveau Testament, là, à Carman, là, c'est vraiment... C'est ça. C'est clair, intelligent ça. Et c'est, comme disait le frère, quoi, je crois que vraiment, je voulais je, voulais, je vraiment mis à cœur de poser cette question-là. Ah, c'est bien, c'est bien, bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai, bien. ça nous a aidé c est, c est, Ce passage-là, et par tout ce qu'on est en train de, 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 de recevoir ce soir-là, comme tu disais, que c'est grand, parce qu'il y a beaucoup de questions. Par, par exemple, dans la troisième tout un type de sanctification. Scientification. Mm -hmm. Voilà, donc beaucoup de choses que moi je souhaiterais vraiment poser, mais le temps n'est pas. Demain, on euh, refait l'émission voilà. et euh, on aura toute la soirée. Hein. Donc on commencera demain tôt, parce qu'on a commencé tard aujourd'hui. On va commencer à 20h30, pile. Donc l'équipe technique, merci pour votre collaboration. Et euh, comme ça, ben, on aura vraiment des questions autour de la justification. Et les frères et sœurs pour pourraient éventuellement nous appeler et, euh, pour... Euh, partager avec nous. Donc justement, dans Romains chapitre 9, parce que c'est vraiment le, le chapitre clé de ceux qui enseignent la double prédestination, hein. et euh, il est dit et euh, à partir du verset 11 « Car avant que les enfants ne soient nés et qu'ils n'aient fait ni bien ni mal, afin que le dessein arrêté selon l'élection de Dieu demeurât sans dépendre des œuvres, mais par celui qui appelle, il lui fut dit, l'aîné sera à ce plus petit. Ainsi il écrit, ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai aïu Ésaü voilà, donc c'est ce qu'ils disent, ça. C'est écrit, mais ils comprennent ça à l'envers. Que dirons-nous donc Y a il de l'injustice en Dieu À Dieu ne plaise, car il est écrit. Car, hein, car il dit à Moïse J'aurai compassion de celui à qui j'aurai compassion, et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Ainsi donc, cela ne vient pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'écriture dit à Pharaon Je t'ai suscité si dans le but de démontrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras pourquoi se plaint-il encore Car qui est celui qui peut résister à sa volonté Mais plutôt, ô oh homme, qui es-tu, toi qui contestes contre Dieu Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé Pourquoi m'as-tu fait ainsi Le potier de terre n'a-t-il pas le pouvoir de faire avec la même masse de terre un vase d'honneur et un vase d'un usage, usage vil Et que dire si Dieu, en voulant montrer sa colère et faire connaître, voilà, c'est le passage là, sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère préparé pour la perdition et afin de faire connaître les richesses de sa gloire dans les vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour sa gloire voyez, et il nous a appelés non seulement d'entre les juifs mais aussi d'entre les gentils voilà, donc ici ils disent vous voyez, c'est écrit que Dieu a préparé hein, dans d'autres versions destinées euh, certains vases à la perdition et d'autres à la vie éternelle en fait, Paul dans le contexte ici s'adresse, les vases préparés pour la perdition il s'agit des de, 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 de juifs en fait qui avait refusé le Mashiach. D'accord Le Messie quand il est venu, Yom choix Et le même Paul, parlant toujours de ces vases de colère, dans Romains chapitre 11, qu'est-ce qu'il qu qu nous apprend Vous voyez Verset 13. Et, euh, et, euh, et verset, pardon, et euh, et euh, 11. Mais je demande ont-ils bronché afin de tomber nullement mais par leur chute, le salut est accordé aux gentils, pour les exciter à la jalousie. Or, si leur chute est la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des gentils, combien plus en sera-t-il quand, se quand ils se convertiront tous Donc, on voit quand même que Paul nous apprend que ces vases de colère hein, vont se convertir. Donc, tu vois quand même, Yann, Paul n'a pas dit que ces vases de colère préparés pour la perdition n'est-ce pas n'avait plus la possibilité de pouvoir se tourner vers le Seigneur parce que parce qu'ils s'arrêtent ces gens qui enseignent ces choses s'arrêtent au chapitre 9 parce qu'ils ils font une approche une mauvaise approche des Écritures comme nous autres dans le passé avec des versets et des chapitres alors que si on fait sauter les chapitres et les versets on va mieux comprendre le, la pensée globale n'est-ce pas du Seigneur voilà donc on voit bien que ça c'est encore un autre point qu'on peut développer hein, pour contredire contrer ces faux docteurs et ces faux enseignements donc Dieu n'a pas destiné certains hommes à la damnation. Dieu veut que tout le monde soit sauvé parce que c'est le Dieu d'amour. Maintenant, malheureusement, dans sa présence, c'est vrai, Dieu sait d'avance qui sont ceux et celles qui vont accepter le plan du salut et qui sont ceux et celles, ceux et celles qui allaient le refuser. Voilà, frères et sœurs, donc euh, rapidement avec les frères et les sœurs de la Guadeloupe, vous avez euh, une euh, épicerie solidaire là-bas. Donc euh, on va... Ouais, Corinne, voilà. Donc, ça, comment ça se passe alors, euh, l'association Est-ce que ça se passe bien euh... ben, ça, se passe, ça se passe bien. Euh, on a beaucoup plus, on a vraiment beaucoup de familles. On a plus de 25 familles ben, à qui on vient en aide régulièrement. Et euh, le Seigneur nous a fait grâce aussi parce qu'il a ouvert les portes. Euh, des supermarchés mmh. on a pu faire euh, déjà une opération caddie d'accord et on a pu euh, récolter une ou disons bien 10 caddies euh, d'opérations de en denrées alimentaires et euh, vraiment euh, le seigneur aussi fait grâce parce que on parle aux personnes qui nous demandent mais comment on a fait pour euh, faire ça et tout et on leur parle aussi euh, quand ils sont ouverts de de Dieu, de ce qu'il fait de Jésus-Christ. Et il euh, y a des personnes qui sont touchées, qui vont même sur euh, TV de vie et qui, euh, qui acceptent. On a même eu euh, un baptême de quelqu'un qui, qui a été touché par ce qui se passe et euh, qui, en allant sur TV de vie, euh, a vraiment compris l'amour du Seigneur et, et qui a voulu faire le pas. Donc voilà. comment ça s'appelle l'association Solidarité de vie. Solidarité de vie, vous avez un site internet hein Oui, okay. alors... Euh... Pour ceux et celles qui sont de la Guadeloupe et qui nous suivent, <laughs> voilà, pour euh, éventuellement.. Donc c'est euh, www.solidarité de vie-association.org. De vie, donc avec le chiffre 2 Oui. Ok, donc euh, parfait. Et... Euh, ok, c'est donc, euh, bah, les frères et peuvent aller sur ce site et puis euh, avoir pour toutes euh, les informations. Oui. Hein, donc, Sinon, euh, pour ceux qui sont en Guadeloupe et euh, qui ne nous connaissent pas, on est au 44 rue cher à Pointe-à-Pitre, en haut de la Librairie Générale. D'accord. Voilà. Que Dieu soit béni. Voilà. En tout cas, que le Seigneur soit béni pour le, ce beau travail que vous faites. En tout cas, euh, on va essayer d'apporter aussi notre pierre à cet édifice et, et nous aimons beaucoup aussi nos amis de la Guadeloupe, hein, donc euh, soyez encouragés, fortifiés. Tu voulais dire un, un petit mot Oui. Euh, donc, euh, en l'espace ouais, bon, oui. d'un mois, là, ça va faire trois baptêmes, parce qu'il y a des personnes qui sont venues également à la soirée euh, du 19. Mm -hmm. Il y a eu deux baptêmes par rapport à, 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 à l'association. Que de ça venir c'est que cette œuvre que Dieu vous a confiée. Confié. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc demain 20h30, heure de Paris. Nous avons promis que toute cette semaine, aura, le, le soir, hein, donc en direct sur TV des Vides, et des enseignements euh, que Dieu va nous inspirer. Donc vous pouvez nous appeler pour nous demander ce que vous voulez qu'on partage. Demain, si Dieu permet, on va continuer sur euh, creuser sur la justification. Donc on va nous préparer par l'équipe technique le tableau que nous avons l'habitude d'utiliser. Et puis, euh, Jérémy, un mot de fin. Non, donc voilà. Merci en tout cas pour votre soutien. Et n'oubliez pas que ce dimanche, nous avons une grande journée de réveil à partir de 14 h jusqu'à ce que Dieu nous arrête, parce que la salle est louée de 8 h du matin au lendemain 8 h Donc c'est une salle. Ah ouais. Alléluia. C'est une salle de près de 2000 places. Hein, donc et donc là, on va adorer, on va louer, on va vraiment célébrer le Seigneur pour ses bienfaits, donc vous êtes invité, et il n'y aura pas l'équipe de sécurité pour vous empêcher d'entrer, euh, on va vraiment, si on, euh, voilà, parce qu'on a, on a, hier, on a présenté nos excuses, hein, par rapport à ce petit ratage qu'on a connu, et à, veuillez vraiment nous pardonner, et je sais que vous êtes de Dieu, et que vous nous avez pardonné, voilà, donc, euh, et euh, que Dieu soit béni, donc il n'y aura pas, quand vous allez venir, vous allez accéder rapidement, tout de suite, à la salle, il n'y a pas de problème, on a des choix, donc, euh, le programme ben, commence à 14h, ben, comme d'habitude. On sera là plutôt pour intercéder tout ça. Et on est là jusqu'à ce que Dieu nous arrête. Benoît, à partir de 10h qu'on 10 qu a la salle, oui, à partir de 10h, merci de me le préciser. Donc jusqu'au lendemain, 8h, euh, hein, si je me trompe. Voilà, donc c'est bien ça et euh, donc si vous voulez continuer toujours pour adorer adorer le Seigneur donc on est dans la liberté en tout cas oh, merci Seigneur hein. donc euh, je pense que ça va vraiment nous faire du bien merci à la de chacun que Dieu vous garde en tout cas pour la BJC juste une information parce que beaucoup viennent pour nous dire non mais ma maman qui qui en veut une tout ça et il nous reste très peu d'exemplaires nous avons à cœur euh, si vous voulez en, en, si vous voulez vous en procurer venez sur place au 24 hein, au 24 et encore Quelques exemplaires, venez à Evry au 24, nous sommes là actuellement tous les jours du ma à partir de 10h parce qu'il y a des enseignements de l'ISASCO. Toute la journée on est là, euh, jusqu'à dimanche au moins. Ou sinon les autres semaines c'est tous les lundis, mardis, mercredi à partir de 18h, tout ça, 30 à peu près. Et là on vous donnera un exemple jusqu'à ce que tout soit, n'est-ce pas, euh, liquidé. Ensuite... Nous avons euh, d'autres projets parce qu'à partir du 15 janvier, nous allons commander d'autres exemplaires et euh, on vous montrera demain, si Dieu permet, avec David, euh, d'autres formats que nous allons commander pour diffuser massivement cette parole. Et, euh, et voilà, donc que le son soit béni et, et merci en tout cas pour vos prières. Si je ne me trompe, nous avons déjà près, près de euh, 25 000. Ou 20, entre 25 et 29 000 euros pour commander d'autres Bibles. Donc vous voyez le Seigneur vraiment ouvre des portes. Grâce à vos dons, nous arrivons à avoir tout ces, toute cette facilité hein, pour commander d'autres Bibles pour les frères et ceux qui en ont besoin. Et un frère a commencé à créer euh, cette semaine, il a certainement à finir l'application sur cette Bible. De Yeshua. Que Dieu soit béni pour votre soutien, frères et sœurs. Les chiens aboient, la caravane passe, on avance, on ne perd pas la vision de Yeshua. Amen.